to find sparks flying from the sun. See, I hardly know you. Can I confess? I feel your heart beating in my chest. You come with me. Tonight's gonna be the one. Là, j'ai dû le virer finalement, je pense, pour ça. Ouais, on va le mettre tout à l'heure.
Les ponts de vache. Direction Morvel. Je sais. Mais je mets mon compteur en fait. Oh. Non, moi j'aime bien en fait. C'est en fait, je mesure combien je suis de borne en fait après. Dans ta voiture. On va là-dessus, on va remettre. Celui-là. Hop, installé. Ah, il faut. Je peux rescotcher derrière ça, sur moins avec le truc. Ah, mais. Sur le côté, c'est que ça. Sur le côté, ouais, ici. Ou sur la vitre, peu importe, de toute façon, ça collera autant, je pense. Ouais, mais sur la vitre, j'ai du double face. Hein. Ouais, bah on le remettra dans ce cas-là. À la maison. Au cas où. On le remettra. C'est dommage, parce que. Ah, là. Je crois.
Ah bah putain, c'est un paquet de pubs à la con là-dedans. Alors. Mais c'est pas ça le quiz, moi. Sorti. Ah voilà, c'est ça. Installé. Parce qu'en fait, quand je le fais sur. Avec le machin, c'est sur le GPS, c'est plus précis. Hein? Quand je fais avec le téléphone sur le GPS, c'est plus précis. Voilà. Voilà. Hop. 80. 10. Hop. Voilà. Ah, ça va. Ouais, Denis? Ouais, c'est Marcel, on décolle de Bourg. Hein. Allez, à tout à l'heure. C'est bien par là, hein, pour vous. Je vous prends encore. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé. Ah, mort de rire. Là, toi, je suis vraiment plié en deux, mais t'as pas idée à quel point. Ah bon? Ouais. T'es plié en deux. Ouais, je suis plié en deux, en trois, tu vois. Tu vois. Tellement je suis gymnastique en 3. Je suis plié en 2. Ah bah allez. Non, j'ai, comme je t'avais pas appelé, ouais. J'avais presque envie de venir ici. Tu sais? Je sais, mais t'inquiète pas. Puis j'ai dit, oh bah je vais. On n'est pas à 5 mètres près non plus, hein, franchement. Et c'est là que tu vois que putain je suis arrivé. Ouais mais bon, c'est pas grave. Oh, hey, il y a 10 pièces que toi. Il y a des quelques tours quand même. Voilà, mon billet. Il y en a qui sont fauteuils roulants alors. Franchement, ah. Il y en a qui ne peuvent plus du tout bouger alors franchement. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça, hein. Oui, mais c'est chiant. Tu... Il y a toujours quelques soins. Voilà ou là. Ça va pareil. Revenu là, putain! Bah, toi, tu pourrais même pas prendre des trottinettes, tu sais pourquoi? Hein? Tu sais pourquoi tu pourrais même pas prendre des trottinettes électriques? Pourquoi? Parce que c'est un peu au-delà de 100 kg. Hein? Ça ne peut pas aller au-delà de 100 kg. Elles peuvent pas supporter plus de 100 kg, les trottinettes. Bah, ça dépend lesquelles. Ah non, toutes. Il y en a, si, il y en a des grosses. Alors, le prix. Ah bah. Faut compter 600 balles hein, pour une trottinette. Ouais, on va dire. Ça, même des gros. Ouais. Pas faux. C'est gros, tu mets le prix, hein. C'est comme tout. Non, je ferais des... Ça, ça vaut 1600 balles, par exemple. Hein? Ça vaut 1600 balles, ce truc de plein. J'aurais des... Cartes blanches à vos envies, dans vos hypermarchés Carrefour. Jusqu'à ce soir, profitez de 15 euros offerts en bon d'achat des 100 euros d'achat. Non, c'est moi qui dis radio. J'ai pas de silence, quoi, c'est bien. Non, attends, j'aurais des sous, mais je traîne une voiture sans permis. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce que c'est vrai. Ça vaut au moins 6000 balles, une voiture sans permis. Au moins. Ah non, mais c'est très traîneur. Si j'ai des sous. Bah, c'est encore pire, du coup. C'est 11 000 ou 12 000 balles, quoi. Je sais ce que c'est. Je pense que j'avais acheté à peine une fois. Ce que j'avais acheté, c'était pas le haut de gamme. Ça m'avait coûté 15 000. Ouais. Et encore, il y a quand même pas mal d'années aussi. Hein. Entre temps. Oui, mais c'est 4 roues, un moteur. Ah, ouais, mais c'est cher tout ce que c'est. Ah, bah, c'est sûr. Tu sais, moi j'avais enlevé deux bagues de chaque côté. Et ben, je roulais au lieu de rouler à 45. Et ben, je roulais à 70. Ah, bah, le jour où tu cartonnes, tu me fais vraiment mal. Hein. La 70, c'est bien. Hein. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Nathalie a pris le forfait mobile Orange 70 Go à 9,99€. Elle a profité. Ah putain. Pour Bruno, c'est fou.
Moi j'ai déjà fait quasiment 200 morts. J'ai fait quasiment 200 morts déjà. J'ai pensé à tout le tour de Bourg pour pas faire. Si, je m'en rappelle plus en fait. Ça fait que je peux aller voir la flèche. Ah d'accord, t'as le GPS. Après le feu, tout à gauche. Ça n'a pas chassé, c'est bien. J'ai regardé ce matin. J'ai regardé ce matin sur le progrès, là, ouais. Les grosses annonces. Je savais même pas que depuis le 9, dans le. À Bourg, dans le centre-ville, on n'était pas obligé de mettre le masque. Bah oui, ça fait depuis. J'ai mis souvent votre bourg. Je l'ai vu mercredi. C'est hier qu'on m'a dit ça. J'ai vu mercredi, moi, ça. Et puis, j'ai vu ce progrès Facebook, le masque n'est plus obligatoire. Oh, bah j'ai dit, c'est bien. Enfin, moi, ça me change pas grand chose. J'ai mis ma famille, alors. Je m'en doutais un peu parce qu'hier, j'ai vu les flics. Ouais. Ils disent rien. La police nationale. Ils disent rien. Non, non, ils étaient 5 dans la voiture, dans le camion. Il n'y en avait aucun qui avait le masque. Ouais, ouais. Je dis donc il doit y avoir un truc parce que bah moi, c'est les premiers à eux à mettre le masque. Bah, oui, pas, oui. Et puis je suis dit bon. Et puis ce matin j'ai vu l'article qu'il y avait eu sur Facebook. Bah, je l'ai mis sur mon Facebook ça en plus. Ah ouais. Le jour même en fait. Oui mais je suis moi le Facebook, je regarde pas. Bah moi je suis quasiment toujours dessus. Donc, ah mais moi je reste sur le truc de signifier, etc. Donc j'utilise pas Facebook en tant que tel, moi j'utilise par rapport à mes groupes en fait. Ouais. Parce que je suis toujours au-dessus, donc c'est bon, de Twitter et Facebook, j'ai deux. Non, non, je survole, il y a longtemps que j'y ai pas été d'ailleurs. Il faudra que je mette une petite connerie, comme quoi je suis toujours vivant, puis les cons qui s'emmerdent, évidemment. J'aime bien, c'est surtout les réactions des potes. Pourquoi? Ta belle sœur. Oh ben elle montre, alors elle m'appelle ou alors elle me met en message privé. Et mon beau-frère, ça va? Bah je lui dis ouais, la forme. Il n'y a que comme ça que. Bah moi, là, tu vois, mes parents m'avaient, enfin, ma mère m'avait envoyé un message il y a quelques semaines déjà, pour m'annoncer la mort d'un de mes grands-oncles. Ah ouais. Mais je l'ai pas depuis des années, donc ça me touche pas plus que ça finalement. Parce que si tu veux, mes oncles du côté de mon père. Quel âge? J'ai même pas en fait. Je crois que j'avais 80 piges à peu près, même pas. Ah, même pas, hein, j'en sais rien à vrai dire. 80, c'est quand même jeune. Je sais plus, moi, en fait c'était le frère de ma grand-mère. C'était le frère de ma grand-mère en fait à l'époque. Qui est mort elle-même il y a plus de 3 ans. Surtout que maintenant on vit à 90, 95. Ouais, bah ouais, carrément. Bah on va dire, lui il était pas non plus très en forme, hein, faut dire. Mais. Il avait plein de maladies partout. Alors, ouais, ouais. Ouais. Bah comparé à toi, non, il y avait rien. Il n'y a pas photo par rapport à toi. Non, mais... Oui, c'est comme ça que par rapport à toi, moi, il avait beaucoup de trucs. Quoi. Je vais dire un truc. Il a eu des cancers, des machins. Moi, ouais, je croise les doigts. Mais... Ouais, tu vois, bah, j'ai su il y a 3 semaines déjà maintenant. Au début, je voulais pas répondre parce que je n'ai plus rien à foutre. Et bon, je lui dis, est-ce que pour le machin, il y a l'enterrement, machin. Non, il me dit, c'est que la famille proche. Depuis que je n'ai pas envoyé un message, je n'ai rien à cirer en moi. Oh, j'ai même pas fait la fête des mères, moi. J'ai vraiment rien à foutre, la fête des mères. La fête des pères, encore moins. Rien à cirer. Je m'en fous. Moi, j'ai plus personne, j'ai plus que mon frangin. Ouais. Moi, ma famille, c'est ma gamine. C'est... Ma gamine, mon flot. Le reste, ouais, c'est vrai. Mais ils ont plus tante, évidemment. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. J'ai plus de relations avec ma belle-sœur qu'avec mon frangin. Moi, ma belle-sœur, je l'appelle, tu vois, on s'appelle. Mais pas, on n'est pas accroché. Moi, je suis pas un accro du téléphone. Et moi donc. Mais j'appelle tout le temps. On s'appelle plus.
moi je t'appelle plus que j'appelle n'importe qui. Hein. Sérieux? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Pour ton niveau ça. Ah oui, oui. Pour ton niveau ça. Oui, oui. Non, mais. Bon, et tu vois, fait, plus que ma montre a vibré, je t'ai entendu. Hein. C'est Jocelyne, tu vois. Ouais. Jocelyne, c'est vrai, tu vois, ça fait un bah moment. Elle, c'est différent, on va dire. Voilà. Et tandis que tu es ton ex-femme, c'est normal que tu l'appelles souvent, finalement. Ouais. C'est la caméra en plus, comme avant. Comme ça, je fais le montage plus tard. Parce que là, j'ai une grosse quantité de mémoire interne, donc du coup, je peux laisser tourner pendant pas mal d'heures. Mais quand en juillet, je vais aller en Suisse, etc., pendant un régime de congé, donc là, je pourrais vraiment profiter de la nuit. Parce que pour l'instant, on ne peut pas rouler la nuit, donc c'est un peu compliqué. Jacques, qu'on ait enfin le couvre-feu au-delà de 23, parce que franchement. Ouais, en principe, à la fin du mois. Ouais, fin juillet, fin juin. En principe. Ouais. Enfin, en principe. Hein. S'il ne change pas d'ici là. Parce que. Avec lui, on ne sait jamais. Et surtout, reprendre le vélo là, en pleine nuit, à 2h du matin, quand je suis en repos. Au lieu d'être planté dans la tête loche. Ça, je crois. Ça fait un moment qu'on n'est pas passé par là. Et moi donc. Putain. Ouais, je ne me suis pas éloigné de Bourg depuis. Hein. Ah. Je ne me suis pas beaucoup éloigné de Bourg à part pour acheter la voiture. Hein. C'est tout. Hein. J'ai rien fait d'autre. Là, mardi, je vais faire le devis pour installer l'audio. Ah. Mardi, je vais faire le mardi, je vais faire l'audio pour la voiture. Ah. Par contre, ça peut en coûter, même si j'en ai une nouvelle idée. Je pense que j'ai 300 ou 340, je pense, environ. Il faut que j'installe les deux enceintes à l'arrière aussi, qui n'étaient pas avant. Donc, on va voir ça. Pour l'installation, on a pour environ 120 balles, plus ou moins. Donc, bon. Puisque le radio, j'ai déjà aussi. Là, les deux enceintes à l'avant, j'ai déjà. Donc je sais à peu près pour combien j'ai donné quoi. La catégorie je mets pour 175 euros. Donc bon, ça va. C'est pour ça que ce mois-ci je n'ai pas de dépenses. Ça fait des frais quand même. Ah mais bon, c'est ça que tu as planté. Non mais c'est sûr. Mais j'ai fait le con avec l'entrée avec bagnole, j'aurais dû entretenir un peu plus sérieusement. Ouais. Puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Parce que c'est là, les frais sont nickel. Hein. Et les pneus aussi d'ailleurs sont nickel aussi. Par contre, ben, les pneus étaient entre guillemets pourris, les freins étaient quasiment foutus. Mais elle est passée au contrôle technique, c'est ça ce que je ne captais pas en fait. Bon après j'avais fait quand même beaucoup de kilomètres aussi derrière, donc bon, ça aide pas non plus. Mais là, attends, l'année prochaine, si je roule beaucoup, je vais changer de pneus et les freins, histoire d'être tranquille. C'est vrai que franchement, cette bagnole là, c'est autre chose. Hein. Putain, hier, ouais. Hey, si tu sors, démerde-toi. En vrai, c'est vrai que mon chou, il m'a trouvé une bonne bagnole. Et là, c'est la version haut de gamme de la Laguna de l'époque.
personne. Ah, parce qu'il y a une caméra dessus, c'est pour ça que... Ouais, côté de la F30, en général, il faut le rouge. C'est un chiant. Mais bon, ça marche. Ouais, c'était pratique parce que tu peux charger une place. Ouais. Dans le berlingot, ouais. Ah place. Bah, tu rigoles, mais j'avais failli prendre ça, n'empêche. Hein, ouais. Pour le vélo. Ah ouais. Mais bon, vu que j'ai pris plus de 3000 balles, non. Vu que mon budget était de 2003 voire 2005, maximum. Donc j'ai laissé tomber. Elle est propre. C'est là, elle est potable. Ah bah, pour le prix, oui, hein? Carrément. Hein. Moi, je m'en régale avec ces bagnoles-là. Moi, je m'en régale avec ces bagnoles. Elle tient bien la route. Elle fait pas de bruit. Par rapport à ce que j'ai eu avant, il n'y a pas photo. C'est quoi, essence ou diesel? Essence. Ouais, non, ça arrache pas une diesel parce que je sais pas si toi. Et avec les lois à la con. Mais ils veulent supprimer le diesel. Ouais, mais c'est 2025, je crois. Et les camions, les. Non, mais ça vient du politique. Comment, ça donne du politique tout ça. Ouais. Ouais, c'est tout, hein, c'est que du politique hein, tout ça. Hein. Ouais. Ils l'ont tellement favorisé dans les années 50 que. Enfin, là, ils regrettent leur choix. Quoi. Voilà. Je suis pas emmerdé avec les lois, j'ai pas de licence. Et puis, de toute façon, moi, je suis assez pour acheter une diesel. Où? Là? J'ai essayé la première fois, celle-là, franchement, j'étais bluffé. Hein? J'étais bluffé quand j'ai essayé la première fois. Hein. Franchement... Alors, en fait, j'avais démarré un démarrage en pleine goutte. Hein? Tranquille. Aucune difficulté. Et vu que mon budget était de 2300 voire 2500 maximum, j'allais peut-être à peu près à 3000, mais je me dis si je trouve à moins de 2 à 3000, tant mieux. Il y avait une à 3000 aussi à, directement à Bourg, mais elle était un peu moins moderne, un peu moins récente. Et déjà, elle était moins chère. Celui-là, elle a un régulateur de vitesse qui marche très bien. Ah. Elle a un régulateur de vitesse qui marche très bien sur celle-là. Sur les longues distances, par exemple, ça sera pratique. Et là, cet été, je vais en Mona. Je n'ai pas encore cette manquante. Mona. Ça, j'avais dit à mon ami que je voudrais le voir cet été, avec la voiture. La dèche. J'étais en terrasse et les salles étaient encore fermées, on ne pouvait pas.
pas y aller. Alors, il n'y avait plus de place, moi j'étais tout seul. Ouais. Et puis je lui dis, bon, viens. Ouais, du coup, t'as apporté des avions. Puis on a causé, on a, tu vois. Peut-être, en fait, il ne se pas grand-chose. Hein. Oh, bah, je lui dis, oui. Mais c'était sympa. C'était sympa, une bonne mamie, tu vois. Et puis, il vient faire ses courses à Carrefour Market. Ouais. Alors maintenant, quand on se voit, et ben, on stabilise quoi. Si elle est attablée, ben, je me mets avec elle ouais. sur la table, tu vois, on est... Voilà. Elle est forte celle-là pour monter. Elle est forte pour monter des côtes celle-là. Ah bon ? Voilà. Ah nickel. J'ai monté deux fois mon Julie. J'ai à peine forcé. À peine. En même temps, tu me dirais, deux fois plus puissante. Bon, c'est logique. Vous connaissez à Solutré alors ? Bah ouais, carrément. Dans la montagne. Bah carrément, pour voir. Solutré, vers du puissant. Et puis elle consomme quasiment rien alors, franchement. Rien. Je suis pas le pied lourd maintenant. J'ai arrêté d'avoir le pied lourd. Là, je vais tout prendre à la ronde. Bon, le plat il m'a coûté cher, mais bon. Sur cette bande de couleurs, ils m'ont vendu sans le plat en fait. Avec une caisse comme ça, d'ailleurs. C'est plus haute que ça, encore est-ce qu'il y a eu des gros orages il y a un ou deux jours. Ouais, bah donc du coup, les condos ils ont vachement enlevé. Quand tu vois les orages qu'il y a eu jeudi, vendredi, franchement, oh la vache. Il est très libre, il était en vigilance orange dans le Jura. Carrément vigilance orange. On passe par où, par le centre comme tu veux. Et toi, il est plus agréable à conduire celle-là. Bon, je rate. Je suis en repos, je prends ma voiture à 4h du matin, je bats les couilles et je pars. Ah ouais, direct. Je sais pas où j'irai, mais j'irai. Et quand je suis en repos, quand je suis au travail, je prends le vélo. Au milieu là, sur le zèbre. C'est gauche, droite. Ah, c'est bien bon au Kinel ça. C'est là qui s'est planté sûrement. Ouais. Ça devait être un demi-tour. Et toi, j'ai pas ouvert les fenêtres là par contre, je l'ai filmé directement. Ah. Là, j'ai même pas ouvert les fenêtres, je l'ai filmé. Ah oui, non mais c'est vrai que pour ça, c'est pratique. Et je mets la température que je veux, en plus. Oui, bah oui.
Bon, par contre, je te fais, j'en ai chié. Putain, il est long. En fait, j'en chie beaucoup le soir, en fait. Ah bon? Ouais. Bah attends, hier, même mon chef, il a refroidi pas ses yeux. 284 sur la journée. Pouh, mon Dieu. On expose tous les soirs, en fait. C'est pas compliqué, hein. Mais c'est que ça, c'est quand même la merde avec le serveur. Putain, il est long. On le dit pas, mais c'est la merde. Non, moi je suis pas encore en vie de sortir dans le restaurant. Là c'est exceptionnel, c'est avec toi, ah ouais. Chez Denis. Voilà. Bah, ça fait longtemps que je voulais y retourner. Hein. Autrement, j'avais pas envie. Ça fait longtemps que je voulais y retourner. Mais à chaque fois, on n'a jamais l'occasion d'y aller. Alors, Ça parce que je n'étais pas bien, parce que il y a une semaine, je n'étais pas bien le dimanche. Hein. Putain, bien. Tu as été un moment sans voiture. Bah ouais. Bah longtemps même sans voiture. 9 mois quasiment. Hein. Tu vois, mais bon, il y avait le confinement, tu pouvais rien faire. Bah ouais, on ne pouvait pas rouler de kilomètres. Tu pouvais rien faire, t'as beau avoir. Tu pouvais rien faire. Donc, du coup, j'ai abandonné quoi. On dit on y retournera plus tard. Oui, non mais. Allez. Tiens, mais j'ai vraiment apprécié. Denis qui me rappelle pour me dire qu'est-ce qu'il a envie de manger. Parce qu'il veut vraiment me voir quoi. Il était vraiment content. Tu dis tiens voilà, t'as ton pote qui a envie de te faire plaisir. Ouais. Ça c'est. C'est ça qui est bon, il m'a marqué ce gars. Hein? Il m'a marqué ce gars. Donc, ouais. Il m'a marqué. Ah mais quand tu. Bon il faut le connaître parce que. Mais quand tu le connais. Bah, le peu qu'on a causé avec lui la dernière fois, il m'a plu. C'est pour ça que je voulais le retourner le voir. Moi je sais. Et là toi j'ai pris sur l'accélérateur. C'est con, j'avais envie. Et j'ai pas pensé. J'ai plein de photos de quand il avait l'aqualand. Ah. Puis au bar, les trucs qu'on a fait. Ah. Et là toi j'ai plus pris sur l'accélérateur. Ah. Là j'ai enlevé le pied d'accélérateur. Je suis regardé sur le regard de Tom Tess. Elle se rouille beaucoup de mais. Ah ouais, avec Denis. Ah, c'est vrai que je pense que je vais vraiment retourner parce qu'elle est pas plus quoi. Puis elle mange bien chez lui quoi aussi. Ah, puis ça me change un peu les idées. Voilà, frétard. Parce que j'en avais marre. Ça fait tellement longtemps que je voulais retourner au resto que. À chaque fois, je n'ai pas le temps ou alors je fais autre chose.
Et Jeff par contre, alors lui, c'est un, c'est un mauvais conducteur Jeff par contre. Qui mmh. Jeff. Notre voisin. Le chinois. Ah je sais pas. Bah c'est un mauvais conducteur. Ah bon? Ah ouais. Le peu que j'ai roulé avec lui, il sait pas conduire. C'est normal. Il sait pas conduire. Des push-push à bras là, pas chez eux. C'est normal, ils ne savent pas conduire. Alors, mais il n'est pas méchant parce mais qu'il non, jappe, il jappe pas au nez. C'est quoi cette blague de merde enfin? Bah le japonais. Ah bah c'est un. C'est pour ça que c'est une blague de merde. Non, c'est vrai qu'il ne sait pas conduire. Ah madame. On va peut-être trouver pour moi celle-là. Ah beaucoup plus. C'est bon comme il ira plus vite. Évidemment. Évidemment. Quoi d'autre? Évidemment. Le cul avant le sabot, comme on dit. Hein. Putain, je te jure, Marcel. Qu'est-ce que j'ai fait de toi? Bah ouais, mais non. Je te jette ici, allez. Ah ouais, si tu veux que je descende, je descends. Bah vas-y. C'est pas un problème. Il va y avoir un vieux con là, bah Dieu, qu'est-ce qui nous arrive là? Téléphone, j'appelle je sais pas qui. C'est pas qui. Excellent. Ils appellent je sais pas qui, mais ils appellent quelqu'un. Ah oui, 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 oui. Non, c'est quand même mon pote Jeff. Photographe. C'est où Jeff? Pas son vrai d'ailleurs, c'est Jeff. Putain, on voit rien là. Pour ça, donc... voilà, on peut lui faire une aile. Hein? On peut lui faire une aile, bon. Gauche, droite, s'il te plaît. Droit. Ah, ah oui, c'est vrai, c'est après la maison médicale. Oh, jolie cette maison, Lyon. Ouais, ouais. Non, mais il y a des belles petites maisons. Elle était là avant, c'est normal. Ah, ouais, elle était là, ouais. J'avais jamais remarqué. Non, ouais, il y a le GPS dans la manuelle mais il est pourri. Hein? Il y a le GPS dans la voiture mais il est pourri. Non. Il est vraiment mauvais. La navigation est à chier. Ouais, le GPS, le mieux c'est une bonne carte. Non, mon téléphone, tu fais argent. Le mieux c'est une bonne carte. Mais ta gueule. Mise à jour, IGN. Ouais, enfin, voilà. En papier, c'est pas terrible. Voilà. En papier, c'est pas terrible. GPS, c'est bon. Bah, là, qui tourne en rond. Ils sont en train de tourner en rond d'ailleurs encore. Eux ils n'ont jamais retrouvé la route. Ah, ah mort de rue. Ah ouais, il y a des endroits où. Eux ah putain. Ils n'ont jamais retrouvé la route. Là, c'est là, j'adore. Tu te rends compte, c'est une belle boîte de nuit. C'est devenu quoi du coup maintenant? Bah, je sais pas. Hein? Je sais pas. Bon, on passe à tout à l'heure, voilà. C'était la grange. C'était une grange. Ils avaient déjà boîte de nuit. Il n'y avait qu'une seule salle. Tiens mon pauvre Bobby. Tu l'as dit Marcel. Oh.
magasin était ouvert, Bambou. Non. Hein? T'as gagné quoi? Ce matin. Je sais pas. Non, d'accord. J'ai pas avec. Si un jour je m'achète une maison, ouais, mais un peu comme ça. Hein. Je préfère une maison en bois. Pas longtemps, moi, parce que les chalets, tu sais. Et voilà. Non, 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 justement, moins cher. Alors, les gars, moi, j'ai pas de roulis vite. Je pourrais, hein, mais j'ai pas envie. C'est pas comme la Honda, mes chers. La Honda, je m'en foutais royalement. Ça, j'ai pas envie. Je suis bien, moi. Bien que toi. Oui, ah, vous avez gagné quoi, les gars? Zéro. Est-ce qu'ils n'ont pas vu le feu rouge? C'est bon, du con. Je te jure. Quelle bonne balle. Ah, vous avez rien gagné, les gars. C'est là qu'un gyrophare bleu. Ah, qui arrive derrière. Puis tu leur fais une queue, tu te mets juste devant. Eh oui. Ah, puis c'est un frein électronique en plus. Ah, c'est un frein électronique là-dessus. Ouais. Dans le coffre, t'as une frise, allume-cigare. Pourquoi? Dans ton coffre. Non, j'ai une là-dedans aussi. Hein? J'ai une frise là, une frise là, dans le machin. Pourquoi? Non, parce que. Avoir une glacière, ouais. Et qui se met aussi bien sur une prise à l'intérieur, ouais. Bah c'est une prise tout seul, j'ai mis prise d'allume cigare aussi. Bah, j'ai une prise tout seul, tout seul. Servait quand je voulais faire des courses, chercher des gales, tout ça. Ouais. Après, même quand je vais à la pêche. Un glacier, des poissons, la pluie. Elle doit être dans le garage. Ça fait plus longtemps ça va y revenir. T'as pas vu depuis des mois, bah tu vas voir enfin. Non mais tu. Droite, gauche. Pont de Vaux, 12 km. Merci.
avait plaisir, c'est ce qui me manquait le plus. Ah bah oui, putain, franchement, ça c'est moi, c'est ce qui me manquait le plus, c'est conduire surtout. Ah. Oh non, moi... Non, autre chose. Parce que sérieusement... Ah, j'ai oublié mon appareil photo, moi, tiens. J'aurais dû le prendre. Ouais, mais... C'est beau. Ouais, justement. Ah, tu verras autre chose comme ça. Et même temps, hein. On se lâche ce soir, donc. Même si le film que je vois en question, j'ai déjà vu trois fois dans ma, à la maison, mais bah, de voir au cinéma, c'est différent. Quoi. Ouais. Puis bon, bah, ça fait tellement longtemps que je ne peux plus voir. Tu fais des popcorn. Ouais, non, ça, ouais. Alors, ça, franchement, le popcorn, je mange pas les couilles. Ah ouais. Alors, ça, j'ai pas au cinéma, je peux manger, moi. Si je veux manger, je vais chez moi. Hein. Quand tu as c'est tellement dégueulasse d'ailleurs de manger dans le sol. Bon, j'y ai été une fois ou deux avec elle et puis. Et puis Cameroun, tu vois, quand on mange là, tu vois. Mais. Ah ben, la première chose qu'elle arrivait, c'était. Une fois qu'elle avait tué les plates, c'était un gros truc. Ouais, moi, ça, c'est tout des popcorn. C'est tellement bon. Ah ouais. Même si je sais que ça fait du bénéfice pour la boîte, pour le site de solution. Mais non, moi, je ne passe pas. C'est bien vu, je prends jamais. Là, de toute façon, ce soir, j'ai le grand abonnement. Comme ça, je peux y aller souvent. Faut pas cher. Bah, attends, sans abonnement, ça coûte quasiment 90 balles. Alors qu'avec le quel abonnement, ça fait 69 euros. Donc, c'est pas plutôt, hein. Et vu que je vais souvent y aller, donc bon. On mourirait. Hop. Oh putain. J'ai mis à 16,5 alors. C'est quoi la température? Je sais pas. Mais je sais que. Attends, je vais mettre que. Ça, c'est la température de. Bah, pas dehors, de l'intérieur. Peut-être, je sais pas. Non, bah non, pas l'intérieur, il fait plus de 30 à l'intérieur. Je sais pas quoi ça correspond à celui-là. J'en sais rien. Oh. Bon, il nous faut une blonde à forte poitrine. Ouais, évidemment, pourquoi une blonde? Autant que pour une brune, hein. C'est pareil. Oui. Ça se suit aussi bien, non? Bah, même une chose, hein, c'est bien. Ou une rousse. Moi, j'aime bien les rousses. Ah ouais, ça pue. Les oh, ta gueule avec tes rousses de viande. Tu vois tes réflexes, moi, comment ça y est? Là, hein. Hein? Là? Ok. C'est bon, ma poule. Parce que autrement, on va se ramener. Tenez. Ah, il a pas. Ah, bah, tu vois, le steak m'a suffi. Ils doivent reconstruire un pont. Ah. Normalement, là-bas, en fait.
ça m'avait manqué. Le ouais, franchement, ça m'avait manqué. Cette petite ambiance familiale, j'aime bien, moi. J'ai mis à 16,5 alors. C'est quoi la température? Je sais pas. Mais je sais que. Attends, je vais mettre que. Ça, c'est la température de. Bah, pas dehors, de l'intérieur. Peut-être, je sais pas. Non, bah non, pas l'intérieur, il fait plus de 30 à l'intérieur. Je sais pas quoi ça correspond à celui-là. J'en sais rien. Oh. Oh, il nous faut une blonde à forte poitrine. Eh, évidemment, pourquoi une blonde? Autant que la poitrine brune, hein. C'est pareil. Oui. Ça se suit aussi bien, non? Bah, même une chose, hein, c'est bien. Ou une rousse. Moi, j'ai une rousse. Ah ouais, ça pue. Les oh, ta gueule avec tes rousses de viande. Tu vois tes réflexes, moi, con, sérieux. Là, hein. Hein? Là? Ok. C'est bon, ma poule. Et parce qu'autrement, on va se ramener. Tenez. Ah, il l'a pas. Ah bah, ben, tu vois, le steak m'a suffi. Ils doivent reconstruire un pont. Ah. Normalement, là-bas, en fait. Thank you.
ça m'avait manqué. Le ouais, franchement, ça m'avait manqué. Cette petite ambiance familiale, j'aime bien, moi. Des répercussions aujourd'hui, hein. C'est pas fini, hein. J'en ai des qui s'envoient ça, putain, non. Oh. Évidemment, je me rappelle de comment j'étais en février, du coup, ça revient. Alors, c'est chiant, quoi. Je sais que ça partira à un moment, mais. Alors, ici, on pont de vache. C'est vrai que psychologiquement, ça a été dur, hein. Putain, non. C'est le fait de ne pas de avoir de liberté en fait qui était plus dur. J'aurais pu sortir la nuit quand je voulais. Non mais voilà. Ça aurait été différent. Non, mais là c'était pas le cas du tout. C'était le truc de ne pas pouvoir sortir la nuit. Ah mais ça m'a tué, tu vois. Ça m'a tué un petit peu. Parce que moi tu me connais, moi quand je suis, j'aime sortir à n'importe quelle heure en fait. C'était ça qui m'a détruit moralement. D'être obligé de rester chez moi toute la journée à cause de ça, quoi. D'être bloqué de 8h du matin, enfin de 8h du soir à 6h du matin, pour moi c'est du pétage de câble en fait. C'est pour ça que j'ai une crise d'angoisse, parce que je pouvais pas sortir. Et je les ai encore en ce moment, des fois. Et j'arrive à le gérer plus facilement, mais. Et moi avec leurs conneries, avec les masques, les machins, les produits à mettre sur les mains. Moi sur les produits à mettre sur les mains, si j'en ai mis. Allez, 5 fois que j'ai appuyé dessus, ouais, c'est tout. Ouais, pas comme moi, quoi. Ah, moi, j'ai vite arrêté ces conneries. Ouais, ouais. J'ai vite arrêté ces conneries. Moi, j'en mets que quand je vais chez mon médecin, puis que c'est lui qui m'ouvre la porte et puis qui met du produit autrement. Ah, ouais. Moi, c'est pareil, à ce niveau-là, les produits, je n'ai rien à branler. Quand j'allais à Carrefour au début, moi, je mettais les mains à côté et puis je. Bon, le masque, c'est pareil, j'ai vu que quand j'ai qu'un ouf. Hein. Bon, hein. Denis. C'est tout, hein. Tu connais, là? Non. Non, je suis un peu tout droit. Je t'ai dit, j'ai oublié, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'y parlait que. Ah, bon. Ah, je crois qu'il est là-bas, non? Tout droit au grand panneau, là-bas. Normalement, hein. Bah oui, on va pouvoir la changer. S'il n'y a pas changé. Ah non, c'est bon. Oui, c'est vrai, le téléphone. Ah, oh putain. Allez. Oh. Oh. On mourirait.
Oh putain. C'est quoi la température? Je sais pas, mais je sais que. Attends, je vais mettre que. Ça, c'est la température de. Bah, pas de l'intérieur. Peut-être, je sais pas. Non, bah non, pas l'intérieur, il fait plus de 30 à l'intérieur. Je sais pas quoi ça correspond à celui-là. Je n'en sais rien. Oh. Oh, il nous faut une blonde à forte poitrine. Eh, évidemment, pourquoi une blonde? Autant que la première brune, hein. C'est pareil. Oui. Ça se suit aussi bien, non? Bah, même une chose, hein, c'est bien. Ou une rousse. Moi, j'ai une rousse. Ah ouais, ça pue. Les oh, ta gueule avec tes rousses de viande. Tu vas t'intéresser. Tu vas tes réflexes pour la con, sérieux. Et là, hein. Hein? Là? Ok. C'est bon, ma poule. Et parce qu'autrement, on va se ramener. Je te le dis. Ah, il est là-bas. Ah bah, tu vois, le steak m'a suffi. Ils doivent reconstruire un pont. Ah. Normalement, là-bas, en fait. C'est pas 90, hein.
La sauna. La sauna. Ouais, je sais pas de quel côté ils vont me mettre le coup. Ah, depuis déjà qu'ils en parlent en même temps. Ils ont... Ouais, parce que celui-là est trop. Bah, ça fait des années qu'ils en parlent. Hein. Ouais. Sans jamais le faire, hein, finalement. Il y a une pizzeria qui faut que je revienne d'ailleurs. Non mais. Ils avaient chopé il y a quelques jours. Un... Ils devraient faire un pont là, juste pour les vélos, les motos. Ouais. Les deux roues. Ah ils peuvent passer hein, sur le côté là. Ouais. Les vélos. Oui, non mais. Et puis un pont pour les voitures. Un pont pour le train aussi, quoi qu'à faire. Un pont pour, et pour les sous-marins aussi. Évidemment. C'est bon les mecs, hein ouais, ouais. Bon, je vous ai enfilé là, les gars. Vous êtes derrière la caméra là. C'est... Vous êtes tous dans la boîte, les gars. J'ai vos plaques en plus. Et dans le cul, tiens. Il y a un bateau qui fait des sondages. Ah, tu vas faire du vélo par cette chaleur, moi j'aime pas. Hein? Faire du vélo avec cette chaleur là, c'est désagréable. Beaucoup trop chaud. Madame qui se dégourdit les gambes. Les gambettes.
fais jamais heure dans la voiture. Je sais pas qu'on fait jamais heure dans la voiture. Oui, oui, ça baisse un peu. Déjà là, j'ai mesuré. Du 8 au 19 juin pour l'achat d'une bouteille d'aide aussi sans concentré soupline de 1 litre 3, la deuxième est offerte. Bah, qu'est-ce que tu fais? J'en prends une bouteille, ça te fait trop, non? Bah, carrément, bah, faut pas céder. Elle est offerte, tu veux bien partager? Ne s'énerve pas, pense soupline, Ah oui, ouais, c'est trop grand. Ça fait tellement longtemps qu'on y est pas retourné qu'on a déjà oublié. Là, vu la météo, on va voir. Hein.
Là, tu en montes tranquillou. Ce que j'aime, cette vie, c'est dingue. À chaque fois que je passe là, je suis content. Tellement c'est bon. Ah, tu t'es débranché, c'est pour ça. Hein? Il a senti que tu t'es débranché. Non, mais débranché la ceinture. Ah, bah que, vous? J'ai pas, que j'ai pas arrêté le moteur. Ah. Ah. Voilà, mais voilà. On fait le point de vue. On sort ou t'as pas une ceinture? Oh, moi je sors pas parce que si je sors, j'ai mal aux pattes. Bah, moi je sors. Il a tout bouffé. Je me souviens qu'on a été manger des gâteaux à Z. À Z? À la boulangerie. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Le fameux flanc, ouais. Ça, c'était l'époque où je me sentais bien. Où j'avais pas ces putains de, d'angoisse, les pannes. On avait faim et puis. C'était bien, c'était ça. Ouais. Je réfléchissais pas trop à cette époque. Moi j'avais faim, on s'est arrêté là. Tout simplement. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on avait pas mangé de vie, c'était tard. Ouais, c'était 16h, je crois, le jour-là, non? Ouais. Moi j'ai la dalle ce jour-là, donc on s'est arrêté. Hein. Par rapport à la musique là. Ouais.
sa vie est totalement digitale, c'est-à-dire qu'elle est connue par les réseaux sociaux. Alors, un morceau et tout, ouais, franchement. Le chanteur là. Alors moi ma vie elle est pas réseau. Hein. J'aime bien y aller, mais de là à rester là-dedans, non. Ma vie ne dépend pas de réseau. Je me souviens qu'on a été manger des gâteaux à Z. À Z? À la boulangerie. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Les fameux flancs, ouais. Ça, c'était l'époque où je me sentais bien. Où j'avais pas ces putains d'angoisse. Pas... On avait faim et puis. C'était bien, c'est bon. Je réfléchissais pas trop à cette époque. Moi j'avais faim, on s'est arrêté là. Tout simplement. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on avait pas mangé de vie, c'était ça. Ouais, c'était 16h, je crois, le jour-là, non? Ouais. Moi j'ai la dalle ce jour-là, donc on s'est arrêté. Hein. Par rapport à la musique là. Ouais.
sa vie est totalement digitale, c'est-à-dire qu'elle est connue par les réseaux sociaux, alors avant tout et tout, ouais, franchement. Le chanteur là. Alors moi ma vie elle est pas réseau. Hein. J'aime bien y aller, mais de là à rester là-dedans, non. Ma vie ne dépend pas de réseau. LOL. Paris-Marseille. Ouais, à Mâcon, à l'entrée de Mâcon, il y avait le kilomètre 400. Ah bon? Ouais, une station-service, kilomètre 400. On est à 400 km de Paris, 400 km de Marseille. Ouais, à 800 km. Ouais. Et ça, c'est du temps d'un National 7.
Appuie. Une pousse. Tu veux que je vous l'apporte? Allez, bim. Il a perdu son chapeau. Oh ouais, c'est pas grave. On appellera trop les pompiers. Quel salaud je suis quand même. Canal. Alors, tout l'autre côté, on peut passer une petite route qui longe le canal. C'est vrai. Moi, j'aimais bien passer au côté, ça se fait. Des fois, je m'arrêtais. Ah, c'est chiant ces angoisses de merde. C'est chiant. Ça me compresse la poitrine en fait. C'est insupportable. C'est quoi ça? Voilà. Et donc,
T'as jamais eu des poussées d'angoisse comme ça, toi? Hein? T'as jamais eu des poussées d'angoisse comme ça, toi? Non, non, non. Ah, c'est bon. Avant, je n'avais jamais comme ça. Hein. Jamais. C'est que depuis, c'est à cause du confinement que ça m'a fait ça. Alors ça, ça ne dure jamais très longtemps, mais alors... C'est chiant. Puis j'ai pas envie de me prendre des anxiolytiques parce que alors là, si je commence avec les médocs, je suis pas dans la merde. Mais c'est fatigant. Là, le contrôle comme ça, c'est... Tu vois, au boulot, le préodi, l'albanais, il est homophobe, mais pour ce qu'il veut. Hein? Il est homophobe, mais pour ce qu'il veut. Ah. L'albanais? Ah ouais, l'albanais, ouais. Mon collègue en cuisine. Ah, il est homophobe pour ce qu'il veut. Il disait, ah moi, si mon gamin il devient gay, je le fous de chez moi, je le garde chez moi. C'est ton gamin, mon gars, qu'il soit gay ou pas. Ah non, moi, je m'en fous, je le fous dehors. Ah moi ça m'insupporte ce genre de discours à la con. Ça m'insupporte. Genre parce que ton gamin est gay, tu le dis. Hein. Ça reste ton sang, hein, mon gars. Hein. Donc tu fous dans mon téléphone, en tout cas. Ah, il est hétéro, lui. Non, mais il est quoi? Il est serveur. Non, il est cuisinier, lui. Ah, c'est un cuisinier. Et parfois, il est très con, parfois. Et ça, au boulot, entre... Bart, qui ont que Vincent et Mama, ils ont tous dit la même chose que moi. Oh putain, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que t'es con parfois, mais qu'est-ce que t'es con. Alors moi, d'un coup, je me suis énervé parce que ça m'a saoulé, ces conneries. J'ai dit, mais on sait bien que t'es homophobe, arrête tes conneries, c'est bon. Alors après, Bart a pris la suite. Il dit, tu sais même pas ce que tu veux, tout ça, à la base. Alors. Moi, c'est pour ça que je suis content de soutenir le refuge, l'association. Les gamins sont gays, ils sont virés par leurs parents de chez eux. Ça, moi, c'est un support déjà dans ça. C'est à cause de lui d'ailleurs que j'ai voulu soutenir cette association d'ailleurs. En partie. Parce que après, ça me tient à cœur, donc bon, c'est bien dire aussi. Ah moi ça me fout les mots ça. Les parents sont pas d'accord avec le genre de leur fille, de leur gamin, ils les foutent à la tête, c'est là. Ça m'a supporté. Ah, après ils disent, ah oui mais ce n'est pas une éducation. Non, ce n'est pas une éducation. Hein. C'est en soi ça, c'est tout. Hein. Ma cousine est lesbienne et alors, bah, elle est lesbienne toujours. Elle est femme pour finir. Elle est partie au Canada avec sa copine et voilà. C'est tout. Ouais, ça m'insupporte. Elle fait pas ce qu'elle veut. Et comme diraient mes potes, hein, mes vieux potes, chacun vomit à sa porte. Alors, ma maman elle disait alors, si j'étais lesbienne, qu'est-ce que tu ferais? Oh, mais oui, mais toi, c'est différent. Bah non, c'est pareil. C'est pour ça que je dis qu'il est homophobe parce que ça l'arrange. Et moi, ça me saoule, des discours à la con, là. Ouais, je suis un peu fait pour ce que je veux. Et après, tu vois que les gamins sont dehors à la rue parce que leurs parents, ils ont foutu dehors. Parce qu'ils sont dehors. Oh, c'est, en fait, c'est, il peut être très con, mais très sympa. En fait. Ah, parfois, je supporte pas. Hein. Ah, parfois, voilà. Ça part en couille, hein, putain, non. Après, je n'arrive pas à proprement parler, je sens rien avec lui. Et c'est vrai que des fois, il est vraiment relou, quoi. Après, il est jeune, hein, bon, on peut le revoir. Il a 20 ans, pas enfin, 21, je sais plus. Mais parfois, bah, il est vraiment au fond, quoi. C'est relou. C'est franchement, hein, des fois.
T'as autre chose de prévu là ou rien? T'as autre chose de prévu là cet après-midi? Pas spécialement. Non? Tu veux qu'on passe à quoi à Verdé pour prendre ton postel là? Hein? Tu veux qu'on passe à quoi à Verdé pour ton postel de fond? Non, pas pour le fond. Ah, avec ton poisson de fond là. Non? Non, non, je suis. Tu veux pas? Ah bah tu me l'avais parlé tout à l'heure, c'est pour ça oui, que... Oui, non, mais pas pour moi, non. Là, je te demande. Ça va? Oui, ça va. C'est tout ce que je voulais savoir. Bah c'est pour ça que je roule. J'ai pas d'objectif, alors je roule au jeu, en fait. Ah moi ça fait du bien genre ça. Et t'as vu, je roule pas vite. Je roule pas vite, j'ai pas envie. Je roule tranquillement. Alors qu'avec la montagne, je roule comme un taré. Oh, stylé. Je me suis planté finalement, mais... Bah on apprend tous les erreurs, comme on dit, hein. Ah par contre quand le taxi m'avait raccompagné de grand plombier là-bas. Oh là là. Oh la bagnole. Qu'est-ce qu'elle était belle. Je sais plus ce que c'était bagnole, mais qu'est-ce qu'elle était. C'était une DS il me semble. Renault, je sais plus à quelle taille. Alors qu'est-ce que c'était confortable. Bon, sans autre une belle bagnole, alors ça. Qu'est-ce que c'était bien dedans. Ah ouais, sans déconner. Quel kiff. Ah, j'avais jamais pris un prix comme ça. Je lui disais un jour, j'achèterai la même chose. Il me dit, si vous avez 60 000 euros, oui, il n'y a pas de problème. Mais là, je les ai pas les 60 000 euros. C'est vrai qu'elle était vachement silencieuse. Hein. Quasiment autant que celle-là d'ailleurs. Quasiment. J'aime pas la radio parce qu'ils refont ah ouais ça me saoule cette radio. Voilà pourquoi je coupe pas la radio en général, parce qu'ils refont du replay. Mais ça me gonfle. C'est pour ça que j'ai tendance de mettre ma radio dedans, parce que comme ça je peux mettre ma musique à moi, parce que sérieusement cette radio de con sans déconner moi ça me gonfle. Je me fais vraiment chier pour la radio. Ouais, ça fait quoi, 3 ans que j'ai arrêté d'écouter d'ailleurs. 3 ans. Parce que en même temps, je n'ai pas besoin pour rouler le matin. Alors... Après, on va longer le Mont-Julie tout à l'heure. On va pas passer par comme d'habitude. Il y a une route que j'aime bien passer en longeant le Mont-Julie, le Mont-Guion, etc., le Col de France. Le Col de France. On va passer par le Col de France. Ouais, tu connais pas? Ah non. Tu connais pas le Col de France? Non, non. Non. C'est pas ici. Je sais, on va passer par là-bas. Ah non. Pourquoi? On est sur la route du Nord. Ouais, non, c'est pas très bien là-bas. Ah ouais, non. T'as pas envie? Non, j'ai pas envie. Ah, t'as pas envie? D'accord. Bon, bah, j'y passerai après. Le japonais, s'il a trouvé. Ah, on va aller le retrouver, je pense. Le truc, et puis. On peut l'appeler. Mais c'est bon, parce que l'autre jour, je lui ai donné mon numéro de téléphone, il aurait pu m'appeler. Ah, bah, peut-être qu'il n'a pas enregistré. Hein. Il a peut-être pas enregistré. Hein. Il n'a pas repensé. Oui, il a peut-être pas enregistré, justement. Il n'a pas repensé. Bon, il a fait un bel article sur. Enfin, tu m'as fait un sujet. Il y a un bel article sur le McBeal, voilà. Avec les deux, trois trucs qui sont sur la place, là, qui est
Ah mais après ça va être vivante hein, en mode j'ai... Ouais mais bon... il a mis un truc mais il n'y a même pas de numéro de téléphone ni rien. Bah parce qu'il n'a pas encore mis la ligne, c'est pour ça. Il n'a pas encore mis une téléphonique, normal que ne soit pas la ligne, la ligne. Non, il n'a pas mis de ligne. Si, il change d'opérateur. Oui, non, mais à la ligne, il y a une ligne fixe, donc il peut changer d'opérateur, c'est pas un problème. Bah en tout cas, il n'a pas d'en fait. Il ne change pas de, la ligne. On peut faire des tours au pire. Oui, non, non. T'as pas à l'avoir. Non, non, mais si ça se trouve, je vois, ça me laisse un message. Ah. Peut-être me dira, je suis rentré. Ben oui, elle était partie en vacances. Ah, d'accord. Alors, elle part en vacances chez ses... dans la dans la famille, tout ça, mais elle veut pas venir me voir à Bourg. Parce qu'elle aime pas Bourg. Elle aime pas Bourg. Ben, ben voilà. Ben, voilà. Laisse un message. Ah, c'est strident cette musique de merde. Hein? C'est strident cette musique quoi. C'est horrible. C'est pour ça que je l'ai. C'est horrible. Je l'ai mis juste pour les messages. Ah, tu me diras, on m'appelle jamais. Hein. À part des faux numéros la con, que je bloque direct. Et puis. Putain, j'aimais bien la verrière blanche. Parce que ça c'est différent. Je n'avais pas vu qu'il y avait un truc qui décomptait. Bah si. 5, 4. Deux. Ah, j'ai pas bossé de descente pour rien. C'est ridicule. Zéro. Et toi, je roule tranquille. Je roule plus comme un malade. J'ai juste été flashé. Comme ça, pour faire des fosses. Un trou. Ouais, pour enterrer les. Je suppose. Tu sais, j'étais flashé en flèche. Hein. Ah ouais, on m'a flashé en allant sur le pont. Hein. J'étais à 74 ou 70. Bon, après, il y aura peut-être 40 km de prix, donc c'est pas très grave. Mais ouais, j'ai été flashé. Ah, c'est ça les radars. Hein. Ça apporte un état ça. Thank you.
La semaine prochaine, j'ai essayé d'aller en Grand Colombier. Pas la semaine prochaine, en jour, je vais essayer de retourner au Grand Colombier ce coup-ci. Hein? J'ai retourné au Grand Colombier en juillet. Au Grand Colombier. Ouais. La grosse montagne, là, où il y a le Tour de France qui était passé en septembre, l'année. Un jour où je me suis planté la caisse. Je suis retourné là-bas un bon matin, genre à 6h du matin, là, avant le soleil. Et hop là, ça sera super bon. J'ai trop hâte d'y retourner plus tard. Là, directement en juillet. Barcelona. J'ai trop hâte de revoir ça. Ça va faire trop. Des andingues. Merci monsieur. Au revoir monsieur. Bonne nuit monsieur. Joyeux Noël monsieur. Bonne Pâques monsieur. Joyeux anniversaire monsieur. Bah c'est la faute monsieur. Je vais pas demander à dire, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas la faute. Faut qu'on y retourne ces quatre rêves blanchis qu'on avait mangé d'ailleurs. Hein? Faut qu'on y retourne à ces quatre rêves blanchis que vous avez mangé. Deux? Faut qu'on y retourne à ces quatre rêves blanchis que j'avais mangé. Je sais pas. Mais t'es sourd ou quoi? Oui, mais il y a des moments où oui, je perds le. Bah, pourquoi tu prends pas un sonotone à... Non. Bah, c'est bon, écoute, au moins c'est une fois qu'on répète. Hein, ouais, hein. Non, je prends un sonotone. Bah, si. Non, plus ça. C'est remboursé par la sécu. Quand tu parles dans ta barbe. Bah. Ah oui, non, mais tu te rends pas compte. Ah, oui. Bah. Faudra qu'on retourne à la boulangerie qu'on était mangé la dernière fois. La boulangerie. Oui, on avait pris le flambi là. Hein? Le flambi et les éclairs. T'es sourd? Attends, j'ai pas le feu, t'entends rien. Oh, laisse tomber. Oh non, mais j'ai pas envie de... Non mais il faudra qu'on y retourne. Ah, oui. Oh là, mais oh, faut que ça décolle là-dedans, hein. Oui, bon. Tu dors, Marcel, ou quoi, là? J'étais vers Leclerc, ça. Je sais plus. Hop, Montrevel, montre ton cul. Alors sachant que j'avais fait maximum 400, voire 450 bornes avec l'ancienne manuelle avec le plein, on va voir avec ça qu'on j'y pourrais en faire. J'ai mis le plein 55 litres. Aussi. Voir ce que ça donne. Bon, 80 balles, ça m'avait coûté, mais bon. Vu que ça consomme normalement un peu moins que la Honda. Après, ça, avec la Honda, j'avais pile au quand même. Putain. J'avais pile au. J'adore ces vues-là. Ouais. Franchement, putain, je kiffe. Mais j'ai hâte de pouvoir conduire de nuit quand même. J'ai hâte. C'est pas pareil. On voit pas la même chose de la même manière. Tout ce qui a été remué en montagne en même temps, tout ce qui est tombé comme radis et des flottes et des grêles et de ce que tu veux avant-hier, et vendredi. Oui, avant-hier, c'est vendredi. Enfin, j'ai dit vendredi en tout cas. Curtil. Mais je ne savais même pas que c'était arrivé ce soir, j'ai dit. Ouais, mais je ne savais même pas ce que c'est finalement. C'est quoi ça? Bah, si, c'était racheté finalement. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas une mode de nuit. Putain, ça fait quand même con quand même. Mais bon, en même temps, le mec l'a vendu, alors qu'est-ce que tu veux faire? C'est devenu un entrepôt, quoi, voilà. Enfin,
enfin l'espèce d'entrepôt en tout cas. J'ai pas attendu pour acheter celle-là. Je suis animate. Et tu vois, moi, celle-là, j'ai pas de problème avec l'embrayage. J'ai pas de problème avec l'embrayage celui-là. Parce que tu te rappelles, la Honda, pour passer la première, c'était une vraie catastrophe. Elle passait mal, elle calait à chaque fois sur moi. Alors que celle-là, elle passe nickel. Même la Punto de Jeff, j'ai calé deux fois. L'embrayage était trop court. Du coup, je calais. Mais ouais, Jeff, il sait pas comment tu exactement. Il fait des à-coups en fait. Putain, mon patron, il a changé de bagnole d'ailleurs. Hein? Mon patron, il a changé de bagnole. Ah bon? Il a pris un X3. Il avait un X1 au début. Oh putain, 380 chevaux, bordel de merde. 380. Bon, c'est un peu inutile, faut bien avouer. Mais bon, c'est toujours ville. À part quand tu fais l'autoroute, là, d'accord, c'est utile, mais. Sinon, j'ai pas intérêt. T'es bien silencieux. Hein? T'es bien silencieux. J'ai mal au ventre. Ah, t'as trop mangé. Là, c'est en trop, je pense. Non, non. C'est même pas assez. C'était même pas assez? Alors pourquoi t'as mal au ventre du coup alors? Hein? Qu'est-ce que t'as mangé qui t'a fait que t'as mal au ventre? Hein? Pourquoi t'as mal au ventre du coup? Ben, je sais rien. T'as pas fait non plus d'extra énorme hein, franchement. C'est plus comme des champignons aussi, pareil. Ma chef a déménagé là en juillet, normalement. Juillet ou août. Tu sais, sa baraque avait cramé à Jaya. Le sa baraque, à ma chef. La cuisine, elle avait cramé. À ta chef. Ma chef de cuisine. Pas enfin, mon patron, hein, ma chef. Je sais que tu connais pas. Elle avait cramé sa baraque. Défaut de. Des trucs. Enfin, soit à cause de son gamin d'ailleurs. Il est éteint, Marcel. Il est éteint. Parce que c'est une fête qui oui, est bien sûr. Ah bon? Ouais, ça fait 3 ans déjà. Bon, je sais pas, il y a un moment. Normalement, l'année prochaine. La dernière fois que j'y avais été, nous, on y avait été, on était toute une équipe avec le comité des. Oui, c'était quand aussi? Des bons enfants, on avait fait le marché de Noël. Et puis, c'était un jeune qui était à la cuisine. Ouais, mais ça, c'est remonte à la cuisine. Ouais, ça remonte à 6 ans, ça arrête. Ouais. Ils avaient fait, je sais plus quoi, je m'en souviendrai toujours parce que il y avait trouvé je sais pas quoi et ouais, puis, mais le gratin dauphinois. C'était de la merde à l'époque. Oui, oui, non, mais le gratin dauphinois on l'attend toujours. Ah, bah, ouais. Non, mais c'était de la merde. Et voilà, depuis, ouais. Depuis, je me dis, bah. Diane, moi, pas trop de j'étais toi. Invité, on m'avait invité parce que j'avais fait de la merde. Mais.
quand il est sorti, je suis. Voilà. Après, j'ai dit. Avant, j'allais de temps en temps manger, tu vois, j'allais bien manger. Et depuis, ben, j'ai dit, ma vie, il me revoit plus. En même temps, je te rappelle, ça fait 5 ans. Ça fait 3 fois. Ça faisait plus de 5 ans, ça. Je suis retourné, mais boire un coup, tu vois. Boire un café, ou un truc comme ça, tu vois. Il avait été avec toi, d'ailleurs. Bah oui, tout à fait. Mais à part, voilà. Non. Ça remonte à 5 ans cette histoire, mon cher Marcel. Hein. Ça remonte à 5 ans. Hein. Il n'y a, oui, a plus cette équipe maintenant. Hein. Mais... l'équipe a totalement changé. Hein. Ouais, la carte aussi d'ailleurs. Oui. Non, mais il y a des cons aussi. Hein. Oh, bien sûr, mais il y a des cons partout, de toute façon. Il y a des cons partout. Hein. Tu vois, la comédie, c'est pareil, hein, les trous du cul là-bas. Hein. Tu vois. Au loge, c'est pareil, hein, des connards. Hein. Il y a des connards partout. Hein. Malheureusement. C'est pour ça... Puis les cuisines, elles sont parfaites. C'est pour ça que. Puis après, quand tu vas, moi, c'est pour ça que je suis resté à Marseille, parce que voilà. Vu que l'équipe avait changé comme ça, j'ai toutes les raisons de partir. Toi, le nouveau serveur qui est arrivé, Dylan, je lui ai demandé hier s'il comptait rester. Il me dit ouais, bah pour le moment, il veut rester et faire la cuisine du serveur. Mais moi, personnellement, j'y crois pas des masses. Franchement. Vu comment il est en fin de service, il va durer un mois ou deux, puis après, ça arrête. À tous les coups. Vu comme il est en fin de service, alors lui, non. Il va pas tenir deux mois. Après, je peux me tromper. Mais vu comme il est physiquement, non, rideau, au revoir. J'y crois pas du tout. Il est sympa, n'empêche, hein, ce gamin. Il a 21 ans, le gamin, donc non, il est sympa, mais il va pas te tenir à distance. Hein. Bah. Alors que le grand, le Steph, là, tu as sûrement dû voir un petit gros à lunettes. Lui, alors, lui, ça fait 2 ans qu'il travaille avec nous. Il t'envoie la pâté, lui. Oh putain. Et en plus, il est très sympa. C'est un bon pâte. Mais c'est vrai que les nouveaux, je me méfie parce que quand je les vois arriver avec les plateaux et qu'ils ne savent pas faillir, je me dis, eux, ils vont pas faire grand feu. Ils vont peut-être faire la saison, mais après ils vont se barrer. Parce que c'est trop dur. Ça va, tu les coups. Mais là, tu vois, parce que mon Greg, il avait demandé au patron de justement de prendre des petits jeunes pour faire le service et le run. Et quand je vois qu'ils ont chié comme pas possible, mais je lui dis, mais les gamins, ils peuvent faire grand feu. Hein. Certes, ça lui coûte pas trop cher, parce que bon, vu qu'ils ont un bon 20 ans, les gamins, donc bon, ça lui coûte rien. Mais quand on voit la qualité derrière, tu vois ce que je veux dire. C'est pas des personnes qui ont l'habitude de servir, quoi. Les serveurs, c'est comme cuisinier, c'est un métier. Ouais, bah la preuve, hein. Alors certes, les gamins, ils sont sympas, ils rigolent tout le temps, mais... entre rigoler... bon, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il y a un vélo. Entre rigoler et puis faire le boulot correctement, ça fait deux, quoi. Ah, c'est pour ça que je me méfie. Ah ouais. Ah bah toi, j'ai vu le sac. Ouais. J'ai vu le sac du mec. Moi, c'est pour ça que je me méfie. Je sympathise pas trop avec les serveurs parce que la saison, il finit jamais en bon état. Donc, Non, mais les serveurs, c'est tapé. Pas forcément. Si. Il y a des serveurs, qui sont bien. T'es pas installeur ou quoi toi? Moi j'ai jamais vu un serveur qui était bien. Ah bon? Bah t'as eu des cons alors finalement. Ah ouais. T'as eu des cons alors. Pourtant j'avais moitié garçon, moitié fille. Ouais, 50-50. Et ouais. Mais toujours été. Mais tu disais quoi tes serveurs? Toujours été déçu. Et tu faisais quoi toi? Aussi bien le bar que la salle. Hein. Ah non, un bon barman, à ce niveau-là. En pleine saison, moi sur l'Ardèche, en pleine saison, j'avais quand même 9 personnes qui travaillaient en salle. Ouais. Ah ouais. Non, mais j'avais 8 en serveur. Un gars qui faisait que la caisse. Ah bon? Ouais. Que la caisse? Ah oui. Putain. Ouais. Il faisait surfer en surfer. Et les gars, ils.
gars, moi je m'en foutais. Il faisait que la caisse, il avait la caisse, il avait une sacoche ouais. le matin, ah, il avait ouais. le temps, il commandait une boisson, il payait la ouais. boisson. Ça c'est bien comme technique d'ailleurs. Et puis après, bah, il se démerdait avec le client. Ça c'est bien comme technique. Ça, ouais, ça, t'as pas besoin de machine, t'as besoin de rien. Moi, tu vois la monnaie, bah, ah mais sûr. J'avais une machine. Ouais. Ouais, pour remettre le reste. Ouais. Mais une seule personne touchait la caisse. Ça c'est bien comme technique. Et comme ça. Au moins il n'y a pas de mélange. Ah ben puis il n'y avait rien. Moi les caisses le soir, elles étaient justes. Oui, tout à fait. Ah ouais. Nous, à l'époque de Rafa, il y a eu plein de vols dans la caisse. Hein. Il y a eu plein. Oui, mais... Oh là là là. Le nombre de pégas qu'on a dû virer à cause de ça. On a dû virer 3 salariés à cause de ça. Parce qu'ils volaient dans la caisse. On a eu la seconde du chef qui avait volé dans la caisse. On avait un des serveurs du Céline qui avait aussi volé dans la caisse. Et je crois que c'était aussi un autre serveur qui avait aussi volé dans la caisse. Quel serveur ? Bien sûr. À quelques mois d'intervalle. Bien sûr, c'est eux qui. Mais vu que le chef avait filmé une caméra au niveau de la bar, bah, il savait qui c'était qui avait volé. Donc, au revoir, viré. Ah, il y en a eu 3 comme ça. Ah non, moi je savais pas. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Sans parler des serveurs qui arrivaient bourrés au boulot. Comme ça, ils payaient leur consommation, puis après ils se démerdaient. Ils avaient le ticket, ils donnaient au client. Le client, il donnait quelque chose. Ils avaient leur propre caisse, tu vois, en plus, pour boire. Et puis. S'étaient mis d'accord de tous les pourboires les mettre dedans, puis toutes les semaines on vidait la caisse, ouais. partageait, ils étaient. Bah voilà, nous c'est chaque mois qu'on voilà. fait ça. Et puis, bah, c'est avec ça que je fais voilà. le cinéma d'ailleurs, hein, par exemple. Et ça c'était leur problème, moi je m'en occupais pas, ouais. ils géraient eux-mêmes. Ouais, c'est comme moi, patron, quoi. Comme ça. Moi c'est le second de mon chef qui fait ça. Chaque fin de mois, bah, par là en mois de mai, parce qu'on a pas, on a fait 10 jours donc ça valait pas le coup. J'attends le mois de juin, à la fin du mois de juin, pour nous donner les pourboires en fait. Ouais. Et moi, ça me paye le cinéma finalement. J'ai pas besoin de payer sur l'installation finalement. C'est pour ça que ça m'arrange, les pourboires. Mais bon, après. Après, je m'attends. Non, après, j'attends pas ça oui, pour aller au cinéma. Oui, c'est un petit plus, c'est tout. Ah, mais... C'est un petit plus. C'est toujours un plus. Mais bon, quand t'as 50 balles par mois en plus, ça c'est 50 balles. Hein. Moi, ça me paiera l'avion. Hein. Parce qu'en juillet, je compte y retourner là, l'avion. Hein. Moi, l'été, les. 4 mois, 5 mois d'été, de saison, et ben ils doublaient leur salaire. Hein. Putain. Ah oui. Oh oui, mais ils se bougeaient le cul aussi. Bah après nous on fait ah, comme. Après ça dépend ce que donnent les gens aussi après. Et comment on est surtout. Parce que nous on est quand même, il faut peut-être diviser. Si genre on a 2 ou 3 000 euros de pourboire, il faut diviser quand même le tout par 20. Donc forcément, et vu que c'est à part égal. Ah oui, non mais voilà. Voilà. C'est à part égal. Or qu'avant, c'était pas égal. Ah les serveurs avaient toujours plus que la cuisine, bizarrement. C'est drôle ça. Hein, les serveurs, je tapais tout. Moi j'avais quoi? Peut-être 10 euros et encore. Bon, j'ai des fois j'avais que 5. C'était du foutage de gueule par contre. Or que le cuisinier se tapait facilement 40 euros, moi j'avais 5. Or que c'est moi qui nique leur merde. Franchement, j'avais des boulons. Et quand JA est arrivé, tout a changé. Tout le monde avait pareil. Ah bah j'étais content, putain. Je passais de 5 euros à 50 euros. Allez, vive. Ah oui, non, mais... Ça a été radical. Non, mais quand tu fais... Et c'est d'un envie de rester, quoi, voilà. C'est comme ça. Non, t'as envie de rester. Fait. Parce que tu te sens mis en valeur, finalement. Ah bah. Et moi, vu que mon chef a tout fait pour que je me sente bien, finalement, dans la brasserie, bah je lui dis, moi, je peux bien rester chez vous, chef. J'ai aucune raison de partir. Aucune. On a une bonne ambiance au travail. Parfois c'est dur, c'est bien. Mais la plupart du temps, moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai besoin de barrer. Alors que j'aurais tout un tas d'idées à dire. Oh, je vais me caisser parce que tu le salaire est pas abordable. Hein ? Tu vas me passer par le centre. Oh, c'est automatique. J'ai même pas fait exprès en fait. C'est machinal. Non, c'est machinal en fait. Je réfléchis même pas. J'y vais. On va passer par Saint-Denis, tiens, viens. J'aime bien passer par là-bas. Ah.
Ah, ça fait. Il y a un moment, je suis pas passé là. Putain. Ah, il y a comme il faut. Hein? Il y a comme il faut. Ah. Putain, c'est derrière ça. Ouais. Ouais, ça a tout en compte, ça a changé jusque là maintenant. Je pense qu'il y a 15 jours. Hein. Oh putain. Ça a radicalement changé. Hein. Bah, c'est devenu un hôpital central en fait. Hein. Ouais. Ouais, je t'ai dit, je change. Pour pas passer par la ligne, justement. T'as envie. Oh, bah non, mais. J'aurais pu passer par derrière. Ah, bah je voulais passer par là. J'ai pas souvent quand je suis en vélo à pied. C'est. Bah, je suis passé un paquet de fois à pied ici, hein, pendant le confinement. Oh, oh là là là. Vu le nombre de bornes où je me suis tapé à pied. Oh putain, laisse tomber quoi. J'ai dû faire au moins 20 fois ça, cet aller-retour. Au moins 20 fois. Peut-être même plus d'ailleurs. J'ai même pas compté. Bah, en tout cas, c'est 20 km par jour, c'était hein. Et j'en avais marre à la fin. Putain, il est long. Man. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours. Pendant plus de 3 mois, au bout d'un an, c'est bon quoi. J'ai donné comme qui dirait. J'en avais ras-le-bol. Je savais plus où aller en fait, ça le pire. C'est vu que la voiture je l'avais pas encore et puis le vélo, j'avais pas envie du tout non plus d'en faire. Pas la motivation. Ah, un train. Attends. Ah non. Putain, ça peut être plus dense quand même. Putain, ça y est, ils vont encore reconstruire ici. Sans déconner. Putain, ils construisent bien partout. Hein. Ah ouais, ouais. Oh, ouais. Ouais. Oh, est-ce que ça traite bon quartier, je sais pas. Après, moi j'ai plein, parce qu'ici c'est déjà circule vachement. Alors, non. Je sais pas. Aucune idée. Mais tu vois, moi, contrairement à mes collègues, j'ai pas mal aux pieds. Ouais. Parce que mes collègues, vu qu'ils ont pas bougé du tout pendant le confinement, et que moi aussi, j'ai pas mal au pied. À part à la fin du service, évidemment, parce que là, quand on tape 9 ou 10 heures d'affilée, là, forcément, on a mal au pied. Mais vu que j'ai tellement marché pendant le confinement que j'ai jamais le mal au pied. À part le dos, mais ça, c'est là-bas, c'est la fatigue. Là, j'ai vu construire, par contre, pendant le confinement. C'est ce que je vois. Ça, j'ai vu construire. Le cabinet de médical. Ça, j'ai vu construire, ça. Ça aussi, c'est aussi bon. D'ailleurs. Ah, mais j'ai vu plein de trucs se construire ici, moi. En à peine 5 mois. Il y a un con hier que j'ai vu en trottinette électrique, il faisait un wheeling complètement débile le mec. Tu sais ce que c'est qu'un wheeling? La roue arrière. C'est-à-dire qu'il faisait pivoter, il faisait lever la roue avant. J'aurais trop aimé qu'il se plante la gueule. J'aurais trop aimé ça. Ah ouais, ça aurait été joué aussi.
Ah, les mecs, ils sont tout pissés, quoi. De merde. T'as vu le truc de cette voiture, franchement. Moi, j'ai le truc de la voiture, ça va très bien. Mais je ne peux pas changer les. Jusqu'à 7 ou 5. Je suis à 1 km avec, c'est bon. Comme ça que ça. Sur l'an. Hein? Sur l'an. Ah non, non, non. T'as marre? Bah alors, je crois que t'avais bien la route. Oui, non, 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 je dis, je suis pas bien. T'es contrarié ou quoi? J'ai un problème. Non, non, mais. Je suis pas bien, j'ai un problème. Je sais pas ce que c'est. T'as peut-être pas assez bu d'eau. Pas... T'as pas bu d'eau aussi. Servas, Lens, Sertine, toute la grande route. Mais vu que t'es pas bien, bah, je t'en accompagne. C'est pas grave. Toi, t'as quasiment autant mangé que moi. J'ai même moins mangé que toi. Bah non, parce que j'ai pas mangé de place moi. J'ai pas mangé de place. Oui, non, mais. C'est la seule chose que j'ai mangé. Tu as mangé du gratin, tu as mangé la salade, tu as mangé. Ben voilà. Donc, non, non, mais. C'était n'importe. Mais non, non, je sais pas, c'est pas. Ah, bah, j'ai mangé de l'entrecôte. C'est pas l'entrecôte qui m'a fait. Non, c'est sûr que non. Mais. Petit problème de digestion. Non, c'est. Et je sais pas si c'est le. Truc au chocolat. Ah, le fondant. Ouais. Peut-être trop cuit, non? Je sais pas, c'est... Possible, hein, c'est vrai. Hein. Moi, le mien était trop chaud déjà de base. Elle a trop passé au micro. Ouais, mais trop chaud, voilà. C'est d'habitude. Alors, moi, un fondant, ça se sert limite froid. Limite. Juste tiède, en fait. Oui, juste tiède, mais alors. Là, elle a trop passé au micro-ondes. Voilà. Ouais, ouais, mais là, c'était trop. Là, ouais. Il était... Mais bon. Bah, quoi. T'es pas bon. Voilà, on va pas critiquer. On l'est pas. De toute façon, elle voulait se barrer le lendemain, elle s'en fout. On voulait pas leur dégueuler dans l'assiette. Bah non, c'est un peu con. J'aurais bien fait, mais bon. J'ai failli dire, moi, que le fond était trop chaud. Hein. Mais bon. Je dirais sur la date, c'est pas grave. Bah mec, tu vas tirer un peu plus à cause de moi. Hein. Moi c'était plus pour... Pour aller à Pont-de-Vache et puis aller voir Denis voilà. Et puis être ensemble et puis voilà. Tranquillou. Ouais.
le reste. C'est un bon petit moment peinard. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ce seul but en fait. Regarde, hein. je ouais, mais ça c'est pas grave. Ça. Je transpire. Bah, si, c'est grave pour moi. J'en veux pas. Parce compte. Que je suis. Non, mais je me sens pas bien. Ah. Je me sens pas bien. Parce qu'en général, tu transpires pas autant. Mais. En général, tu transpires pas autant aussi. Tiens, hein. Là, ça n'a pas changé. Ah, bah non, ça fait 30 ans que ça bouge pas aussi. En 30 ans, ça n'a jamais bougé ici. Tu veux que je passe par la forêt de Sillon et que je coupe directement par Avenue Brou ou que je passe directement par Centre-Ville? Là, d'ailleurs, Dylan. Hein? Mon ancien collègue cuisinier. Il est passé ici pour les pizzas. Enfin, j'ai eu une digestion. Enfin, j'ai eu ce soir d'ailleurs. J'avais envie d'y aller. Enfin, j'ai eu une pizza. Parce qu'ils font des pizzas en bleu là-dedans. Ouais, l'autre fois, quand j'ai aussi été avec le gamin, on a commandé des pizzas. Pizza délice. Ouais. C'est pas les meilleurs, mais presque. Oh ben moi j'aime bien, entre Pizza Delice et puis Odessa, ouais. Odessa c'est les deux endroits où que je préfère aussi. C'est... J'ai avec grand plaisir. Putain, 33 degrés, bordel. Tu vois, à une époque, ma tante et mon oncle, c'est lui que tu as jamais vu, ils avaient fait une location d'appartement ici. De une location d'appartement. Ah bon? Ouais, ils avaient loué dans le petit immeuble là, au-dessus. Dans trois pièces, il me semble. C'est mon oncle les mia faire des appartements. Pour faire des... Ah, c'était Tréfil Europe. C'est toujours Tréfil Europe. Masque obligatoire. Ça n'est plus. Ça n'est même plus. Vers Van Damme. Non, là, ça n'est plus en tout cas. Van Damme. Estival de Pro. Putain. Ah oui, faut que j'ai vraiment pote à. Mon pote Zoran. C'est toujours Annie qui tient ça. Non, elle est à la retraite à l'Annie. Ouais. Depuis déjà 2 ans d'ailleurs, il me semble. Elle a mis un article sur le projet. Moi j'ai fait peut-être 2 fois en tout. Ça fait un moment que je suis pas passé dans la. Ils ont mis 3 ans à monter cette maison. Hein. J'ai pas pris 3 ans. Que j'ai pas pris le bus. Hein. Oh, moi ça fait plus de 20 ans que j'ai pas pris le bus. Plus de 20 ans. Et j'ai pas besoin de plus aller à. Ah, lui, je le connais. Ah, mais ils ont rasé l'outil. Ben, ça fait longtemps qu'ils ont rasé là. Ouais. Oh, bah. Ça fait au moins 10 ans. Oh, aussi, ça fait au moins 10 ans qu'ils ont rasé ici. Ouais. Bien sûr, il y avait un parking avant. Ils ont tout rasé. Ils ont désintoxiqué les sols. Parce qu'il y avait une vieille baraque ici, elle était bien pour un. Tout désintoxiqué les sols. Il y a déjà un an d'ailleurs. Putain, pizza en porte. Oh, ça fait bizarre le trou. Putain. Oh, le trou, ça fait bizarre. Le trou. Bah, en face. Oh, le changement que ça fait, là. C'est quoi qu'il y avait là? Bah, il y avait l'asile de fou là-bas. Le Saint-Madeleine. Oh, ça fait trop bizarre qu'il y ait... Oh là. Oh, ça change là. Oh, putain de merde. Oh, c'est radical, putain! Je sais plus où c'était là. Bah, si, tu vois bien, il y a Madeleine. Oui. L'ancien bâtiment, bah, ils ont tout pété.
Depuis une semaine. Ils ont commencé lundi matin à tout démolir. T'en rappelles pas du grand bâtiment qui était à côté du palais de justice? C'était sur Progrès aussi. Ouais, mais je regarde pas le Progrès. Bah, on revient sur gratos. Ouais, mais je regarde comme ça, mais. Ils ont pété. Ouais, j'ai pas fait attention. Depuis lundi. Ça fait deux semaines. Enfin, j'ai pas fait attention. Depuis deux semaines, ils ont pété. Moi, ça fait trop bizarre. Pas la vache. Quoi, il n'y avait pas un bureau de tabac dans le coin là? Si là. Si. Putain, ça fait des herbies, sérieux. Oh, oh la vache. Ils ont mettre des grands immeubles avec bars, etc. Restaurants et tout. Putain, ça fait trop bizarre ce trou. Ouais, parce que là, c'est, oh, putain. Là, c'est les, l'école. Là. Ouais. C'est le lycée Carrière, ça. Non, le lycée Bardet, pardon. C'est Bardet. Putain, ça fait... j'ai toujours connu cette immeuble-là. Oh, ça fait trop bizarre ce creux. Oui, puis là, c'est le... Oui, mais là, c'est, ouais, c'est pas justice. Ah, ça fait trop bizarre ça, ce trou, là. Oh, bah, tu veux... J'y reviens, là, d'ailleurs. Le bordel. Pourquoi? Bah, parce que j'ai jamais pu avoir ma carte de lecteur. J'ai même pas pensé. Alors, il faut que je revienne. Tu vas voter, toi? Tu vas quand même voter? Je m'en fous, c'était pour un peu les emmerder. Ah, pff, tu crois qu'ils en ont rien à foutre de toi? Parce que... Tu crois qu'ils en ont quelque chose à faire d'un mec qui vient les emmerder? Bah oui. Bah non, ils en foutent, c'est leur boulot. J'ai droit à ma carte d'électeur. Bah mais tu t'en sers même pas. Je voudrais... Non, mais je m'en sers pas, bien sûr. Bah alors, ça à quoi ça sert? C'est pour histoire de les emmerder. Bah, il me sert à rien en ce cas-là. D'être inscrit sur... Moi, je suis même pas... Je suis inscrit, mais je vais jamais. Bah moi aussi, je suis inscrit, mais... J'ai même pas... J'ai plus ma carte d'électeur depuis au moins 3 ans, alors non. J'ai changé ma carte... Oui, non, parce que là, c'est ça, 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 a été vendu deux fois, ce bureau, là. Et là, il n'y avait pas une boîte dans le... Ouais, j'ai toujours une boîte, normalement, c'est une boîte des journalistes, là, vas-y. Une boîte du jour. Des journalistes. Là-dedans. Ah bon? Ouais. J'ai un collègue qui était dedans une fois. Enfin, un ancien collègue. Qui a dit que c'est barré depuis, mais ouais, j'ai un ancien collègue qui était dedans. Mode échangiste. Ah mon cher. Moi j'ai continué ma route. Parce que j'ai pas fini. Tu vas te balader? Ouais, j'ai baladé, moi. Ouais. J'ai vraiment pas ta côté là. Pour voir si il vient geler ou pas. Bah, moi je vais aller. Voir, essayer de voir si je vois. Joue au machin. Bah, il y a personne. Et puis, je vais. Bah, normalement, Jeff, il doit être en train de monter. C'est tout à l'heure? Bah, ouais, tout à l'heure, ma foi. Non. Et puis, ouais, parce que c'est pas normal que j'ai mal comme ça. Ouais, tout à l'heure, t'allais bien pourtant. Hein. Ouais, mais. Après, c'est ce qu'on dit, quand le chocolat est chaud, c'est pas bon. Hein. Ouais, c'est lourd hein. Allez, t'allure. Ah, t'allure. Ok Google. Ok Google. Appelle Zoran. J'appelle Zoran. Ouais, dans Zoran, c'est Seb. Ouais. Tu veux que je passe pour le bordel? Ah, si tu veux, ouais. Eh ben, je passe, je suis dans la voiture justement, donc. Ouais, impeccable. Eh ben, je passe, j'arrive dans 5 minutes. Ouais. D'accord, ouais. Allez, à tout de suite. Ouais.
plus fort. Ah mais on se roule, hein, ça y est, on thank you.
voulez qu'il soit sécurisé, au cas où je le casse la gueule. Ah ouais. Comme ça, il peut durer longtemps. Avec ça en plus. Ça, j'ai acheté sur Amazon il y a quelques jours. Comme ça, va. Va, viens, allez, je t'emmène faire un tour. Ouais. Ah mais c'est bien. Ça, c'est comme ça que je t'ai appelé tout à l'heure d'ailleurs, j'ai fait aucun Google, il t'a appelé. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le compteur de vitesse. Là c'est le GPS ça. Oh mon dieu. Mais t'es bien équipé là hein. Par bien. Ah ouais. Et je l'ai pas payé cher. Hein. 300 balles franchement. Ah ouais. Avec le GPS. Ah putain il est bien ou ouais. Mais d'entrée il y était. Ouais. Ah ben là c'est quand même un plus quand même. Ah bah oui c'est sûr. Ah ouais. Et en plus il est bien rentré comme bah, ça. Au début j'ai eu du mal à débloquer ce putain de GPS. Il fallait un code pour le déverrouiller. Et je trouve nulle part. Et où c'est que tu y arrivais? Il y avait un code en fait, avec les manettes, à chiffres. Et vu que c'était le vrai bordel pour l'installer, du coup j'ai demandé à mes potes qui s'y connaissent un peu plus que moi en ordinateur de bord. On a tout déverrouillé nickel. Ah ouais. Et du coup bah, il marche très bien. Bon à part le GPS, c'est horrible. Là, toi, j'ai changé d'enfant. Tiens, il est bien ou... Ah, bah, il est bien. Hein. Ah, ouais. C'est une sacrée voiture, là, hein. Ah, parce qu'avec le GPS, tu sais, quand tu pars avec rien, moi, voilà, elle a tout, la mienne, ouais, bah, tu sais, ouais. Initial Paris. Oh, je dis, je veux pas me faire chier avec rien du tout. La dernière fois, j'avais pris avec rien du tout. Ouais. Butin, je dis, alors, c'est pas la peine. Maintenant, je vais prendre le plus haut de gamme dans la série. Hein. Tandis que là, t'as vraiment le top. Hein. Ah, pour, franchement, pour le prix, je pense que c'est pas trop aussi bien. Ah, ouais. Et dis-toi que si j'avais attendu un an, j'aurais pu prendre celle-là avant la Honda. Ah ouais. Parce que la Honda, c'est la pire voiture que j'ai pu avoir. Ah ouais. Ah ouais. Elle était horrible à conduire, en fait, c'est le problème. Je l'aimais bien en soi, la bagnole. Mais elle était horrible à conduire. Ah, parce que comme on dit les voitures japonaises, en général, c'est quand même assez costaud. Hein. Elle tenait pas la route, la bagnole. Ah ouais. Malheureusement, non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle tenait pas la route. On va dans les virages, elle est partie vite en sur virage. Hein. Elle n'avait pas une tenue de route si bonne que celle-là. Hein. Loin d'ailleurs. Car il y a la Porsche. Ouais, Carreras. Ah, puis silencieux, c'est. Ah ouais. Elle est agréable. Bah, en fait, la première fois que j'ai conduite avant même de l'acheter, parce que bon, je voulais quand même l'essayer avant, j'avais connu ce genre de bagnole-là, et ben, on démarrage en gros, parfait. Mais alors, parfait. Bon après il y a quand même 135 chevaux sur le capot donc bon ça laisse. Et t'as combien kilomètres 157 000. Ouais mais ça me coûte pas trop encore. Bon celui-là je peux le monter à 300 000 hein. Ah ouais. Facile. Par contre faut bien faire les vidanges. Ouais, je vais l'entretenir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'autrement tu risques d'avoir des problèmes. Bah j'ai pas fait comme la Honda tu vois, parce que la Honda j'ai un peu délaissé. Ouais voilà, c'est ça. Et je n'y aurais pas dû. Ouais voilà. Parce que si je l'avais pas laissé laisser. J'aurais changé le pneu, j'aurais changé les freins, j'aurais changé une croix ou je sais pas quoi, et j'aurais toujours. Mais cette fois-ci, j'ai pas délaissé celle-là. Ah ouais. J'en prends soin. Parce que bon, elle coûte plus cher, mais elle est quand même plus haut de gamme quand même. Parce que là, c'est la version dynamique, c'est-à-dire que la version haut de gamme de chez Renault. C'est ça. À l'époque. Donc du coup, je fais attention ce coup-ci. Je vais la garder longtemps. Pas comme avant. L'autre, je m'en foutais royalement. Parce que j'étais radin. Et là, avec cette gagnole-là, elle est quand même plus chère et qu'elle a quand même toutes les options. Ah ouais, ouais. Donc, c'est sûr, parce que là, quand tu vois, quand je fais des grandes distances, bah, je mets le régulateur. Ah je ne mets pas l'accélérateur. Pas besoin. Ah, franchement, c'est vrai. Il n'y a pas photo. Moi, je reviens pas avec le. C'est correct, comme ça, le GPS, comme ça, il est bien. Hein. Bah, le GPS en soi, je m'en fous un petit peu, mais au moins pour savoir où je vais, même sur un téléphone, c'est pratique. Ah ouais. C'est le côté pratique. Parce que moi, tu sais, tu me connais, moi, les ordinateurs de bord, je m'en fous un peu. Quoi. Ah ouais. Moi, tant qu'il y a un moteur et puis une bonne voiture. Mais je voulais une bonne voiture pour moins de 3000 balles. Quand même. Ah sans ouais. qu'il y ait trop de bandes au compteur.
Si elles ont une belle rouge ou quoi? Ah ouais, je sais pas ce que vous. Mais ça, je veux une bonne voiture. Sans me ruiner. Je sais pas trouver, c'est pas facile de trouver une bonne manuelle à ce prix-là. Ah ouais. À 2005, c'est rare, hein. C'est bon. Bah celle-là, je passe du 0 à 100 en environ 8 secondes. Ah ouais. Un peu moins même. Or que là, on donne, il fallait... pas loin de 27, au moins 20 secondes. Non, mais elle a Honda, grosseur, comme ça, elle était correcte, tu vois. Ouais. C'est pas une petite voiture comme la Clio, après, tu vois. Après, la Clio, c'était avec 4 chevaux. Ah ouais. Donc, elle était pas puissante. Quand je montais à l'école, qu'est-ce qu'elle en chiait. Ah ouais. Oh là là. Celle-là, je montais mon Julie à l'aise. Hein. Ah ouais. Ah ouais, voilà, peinard. Hein. Je l'ai monté deux fois déjà, peinard. J'ai à peine forcé sur la pédale. Ah ben on sent les chevaux différents. Hein. Quand on passe de 4 à 8 chevaux, on voit la différence directe. Hein. Là franchement, j'ai été bluffé. Hein. Je vous dis, j'ai pas mis 2500 balles pour rien. Là il me reste plus qu'à payer la carte grise mardi, avec l'audio, etc. Et tout sera nickel. Parce que moi le poste de radio, je veux pas du tout. Franchement, ça. C'est de la merde en plus, franchement. Je vais faire l'argent mon autre radio à moi, Bluetooth, tranquille. Parce que le CD, je n'en ai plus, les pubs me restent. C'est agréable. Il est bien équipé. C'est agréable. Ouais. Ah ouais. Tout est option. Alors, Ah ouais. J'ai de la chance. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est une seconde main en plus. Hein. Ah ouais. C'est une seconde main. Donc, franchement, ah ouais. Tout a été fait, il y a l'historique et tout. Ah ouais. Moi j'aime beaucoup cette caisse. Ah ouais. J'ai mis un petit peu de temps à prendre en main, je vais l'avouer. Ah ouais. Parce que c'est pas la même manière de conduire. Mais franchement, ouais, là maintenant que je commence à bien la connaître, son comportement et tout. Donc j'ai plus de plaisir à la conduire finalement. La Honda, évidemment, j'ai vite pris le coup de main. Je sais pas pourquoi. Ah ouais. Et c'est là un peu moins. Ça met un peu plus de temps. Bon après on va pas comparer avec tes bagnoles parce que ça sert à rien. Ah bah oui. Mais t'as vu que t'as fait un bon choix quand même. La soirée je snoche. Ah ouais? Ouais j'ai fait une poêle. Je mais faut pas réserver? Non. Ah ouais. Pas tout. Non j'y vais un peu plus tôt, c'est tout. Ah ouais. Et vu que c'est à 23 maintenant. Mais qu'est-ce que tu vas voir? Le body. Ah ouais. Le film d'action. D'accord. Baston, un peu tout. Je l'ai vu trois fois chez moi, mais c'est pas pareil. Quoi. Ah, quand même. C'est pas le même son. Ah, parce que j'ai téléchargé à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas de cinéma. Et vu que je suis pas très téléchargement depuis pas mal de temps, j'achète beaucoup de Blu-ray depuis quelques mois. Ah ouais. Bah, je voulais faire ça avec Marfait, mon voisin, que j'ai déposé tout à l'heure avant de venir te voir. Ah ouais. Et il était pas bien, alors du coup, bah, j'ai déposé. Je lui dis tiens, bah, vu que je savais pas trop tard, genre 6h on est là. Donc ça moi, vu que je t'avais dit que je passais. Et vu que demain. Ouais, bah, pick up. Du coup, bah, vu que je savais pas trop comment, si t'étais présent ou pas. Mais comment ça se fait que c'était un mauvais branchement alors ouais, quoi. Parce que la prochaine fois, ça va faire pareil, je vais bricoler un peu alors. C'est pour ça que tu changes de multiprise. Ah ouais. Prends une longue, avec 8 ports. Comme ça, tu branches tout en temps. Parce que c'est tout bas, pas branché sur le même. Bah non, t'as trois ports qui sont vides. Alors autant prendre une longue et une neuve. Ouais. Qui n'ait pas de poussière. Parce que la poussière, ça c'est mortel pour les PC. Ah ouais. Bon, attends, et pourquoi j'ai 5 ventilateurs sur le PC? Il ne blâche jamais. Hein. Ah et, ouais. Il a une blâche 24 le mien. Hein. J'éteins jamais mon PC. Jamais. T'as après, combien à peu près? 20 euros, non? Deux. La multiprise. Ouais. Ouais, pour 12 ou 13 euros demain de multiprise. Ouais. Mais c'est une multiprise normale alors. Ouais, mais bien sûr. Si 8 prises. Ouais. Donc, 8 prises. Pour moi, t'as la box, t'as le PC, t'as la box télé, t'as la télé, t'as l'écran du PC, t'as quoi dessus, t'as encore je sais plus trop ce que t'as dessus, l'imprimante. Ah ouais. L'imprime cinéma. Et puis t'as toutes tes prises nickel comme ça. Ah et t'auras pas besoin de débrancher quoi que ce soit.
Comme tu fais à chaque fois. Bah ouais. Parce que bon, et arrête d'éteindre ta box noire. Parce qu'après tu te demandes pourquoi elle marche pas. Bah ça va, tu mets sur elle, tu mets sur off du coup. Donc tu risques pas d'avoir la box, hein. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si t'as regardé, mais Bouygues, ils ont baissé les prix pour la DSL. Ah ouais. Renseigne-toi. Ah ouais. Essaye de te renseigner. Et même pour la fibre, alors du coup, ça passe comment chez toi d'ailleurs? Ah ben j'en sais rien, pour l'instant on attend, alors tu vois. Peut-être à la rentrée, j'en sais rien, c'est le bordel, parce que la rentrée c'est bien, pas bien loin, hein. Ouais, encore trop, deux mois après c'est terminé, hein. Il n'y avait pas des appels d'offres pour l'installation? Ah ben j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont eu, mais... Mais t'as pas demandé au fournisseur? Ouais, j'en sais rien. Bah il faut demander. Ah ouais. Si t'en sais rien, faut demander. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde. En ce moment, quand il fait beau. Bah là, toi, je roulais un petit peu aussi en vélo. Je vais me faire une petite sortie tranquille. Mais là, toi, depuis. En gros, depuis le 17 mai, il y a pas pris l'occasion. De partout. Hein. Là, depuis le 17 mai, j'ai quasiment pas fait de vélo. Ah ouais. Trop fatigué. Oh putain, mais il y a la pêche, non? Ouais, bien sûr. Ah d'accord. Bien sûr, j'ai la pêche. Vous avez fait plus de 15 ans que vous existez ici. Hein. Ça fait longtemps que c'est ici. Ça fait 15 ans, quand même. Et tu vois, celle-là, elle fait une route bien meilleure. Ah ouais. Et les routes serres sont bien plus doux. Beaucoup moins brusques. Je sais pas si je te rappelle, la Honda. Ouais, ouais, ouais. Bam, 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 comme ça. C'est horrible. Bah en général, les voitures japonaises, c'est quand même assez costaud, quand même. Bah celle-là, elle était mal entretenue depuis le début, alors... Quand on voit les amortisseurs, c'était horrible, alors franchement. Ah, mais j'ai détesté les amortisseurs. Et puis même les freins, c'était catastrophique. Bah, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Hein. Ah, ouais. Ce qui freinait pas assez. Trop usé. Et les pneus étaient complètement morts. Quand le mec, l'expert, pour accident, m'a dit, bah, vos pneus étaient foutus. Et puis les murettes. Mais alors, je lui ai dit, pourquoi ils sont passés contre technique du coup, alors. Mais j'en revenais pas. Ah, moi, quand le gars m'a dit ça. Il y avait pour 2700 euros de réparation. Oh mon dieu! Et la voiture coûtait 1900 euros. Oh mon dieu! Alors c'était ma charge, quoi, finalement. Alors je lui dis, c'est pas grave, tant pis. Ça me faisait bien chier. Mais bon, je lui dis, tant pis, c'est pas grave. Après, c'est vrai que j'avais le petit lourd. Avec celle-là, j'avais le petit lourd. Ce qui n'est pas le cas avec celle-là. Mais une multiprise normale, 8 branchements. Ouais, 8 branchements. C'est ça. À camoufle le clair. Hein? À camoufle le clair, t'as trouvé. Ouais. Il n'y a pas besoin de machins spéciaux ou rien. Ouais, ouais, d'accord. Pourquoi tu aurais fait ça spécial? Non, pas non, spécial. Mais. Pourquoi? Ben, tu viendras, comment dire. Elle est branchée parce qu'on reçoit. Bien sûr. Là, je ne veux pas de. Mais emmène ton PC à un informaticien par contre. Parce que, emmène le PC avec ta micro. Ah ouais. Pour qu'il te le dépoussière parce que là. Ah ouais. Vu qu'il n'y a pas de signal vidéo, c'est qu'il y a un problème. Ah ouais. Je penche pour la carte d'air qui a dû traîner à cause de la poussière. Mais je mettrai pas ma main à couper. Ah ouais. Mais il y a du monde de partout. Ouais. Ah oui, c'est dimanche. Ah ouais. C'est logique, hein. Ouais, ça me tombe même pas. Il fait bon dans la voiture. Hein. J'ai mis la clim. Hein. Ah ouais, c'est le top. Hein. J'ai mis la 16.5. Ah ouais. Moi, j'ai pas chaud. C'est moi aussi pareil, je suis genre transpiré beaucoup. Du coup, un petit peu de clim, ça fait pas de mal. Puis au moins, on n'est pas obligé de laisser les fenêtres ouvertes. Et j'ai ma caméra aussi. Ah ouais, aussi, c'est vrai. Là. D'accord, d'accord. Comme ça, je filme tout ce que je fais. Mais par plaisir. Ah, ouais, ouais. Enfin, après j'ai mis sur ma chaîne YouTube, je fais le montage et elle l'est. Désolé, là, je te balade un petit peu. Ouais, 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 ouais. Tu connais un peu par ici quand même? Ouais, bah oui. Je connaissais un copain qui est. Comment dire, un copain du boulot. Bah tu vois, ça fait 7 ans que je suis à la retraite, alors tu vois. Ça passe vite, hein. Autant qu'on fait, hein. Ah ouais. Ouais. Autant qu'on fait, hein. Et ça va bien? J'en sais rien. Ah ouais. Ah, mais vous êtes penché encore? J'ai coupé les pots, moi, hein.
Mais moi je croyais que vous. Ah non. Tu étais bien. Que dalle. Ah non. Ah non, bah, c'est fini. Hein. Mais depuis quand? Bah depuis 2 ans. Mais tu sais avec les. Quand il y avait des DVD ou je sais pas quoi, t'étais bien. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah, moi en fait j'ai envoyé un texto à mes parents, c'était en janvier, je crois d'ailleurs. Mais je sais pas avec toi. Mais je m'en fous en fait. Ah ouais. Ah mais c'est terminé. Ah je t'avais fait une lurette, hein. Oh là là. Parce que je savais qu'il n'y aurait aucun retour. Alors, et la maman pareil. Mais pareil. Ma soeur, ça fait 3 ans que je l'ai pas revue. Oh mon dieu. Mes parents, ça fait 2 ans. 2 ans et 5 mois. Je les ai pas revus. Mais je crois que c'était bien la dernière fois avec les. En gros, si tu veux, mes oncles et tantes, en février dernier, ils m'ont conseillé d'envoyer un texto à mes parents pour essayer de rabibocher, de recoller les morceaux. Mais je leur ai dit, vous attendez à rien. Hein. Et heureusement parce qu'il n'y a rien eu. Ah ouais. À part oui, machin. J'ai eu 50 balles pour l'anniversaire et puis au revoir. Goodbye. Plus de Noël. Et là, tu vois, ma tante, enfin, mon grand-oncle est mort. C'était quand fin mai. À quel âge? 78, je crois. Ah ouais, ben c'est forcément bien. Non, mais il avait plein de maladies, il avait plein de merde aussi. Ah ouais. Et il est mort il y a quelques semaines. Ma mère m'a envoyé un texto pour me prévenir, quoi. Ah ouais. Je lui dis, est-ce qu'il y a un enterrement prévu? Non, seulement la famille. Et après, non, plus rien. C'est dire à quel point je m'en fous en fait. Parce que mon grand-oncle, c'est pareil, ça fait 3-4 ans que j'ai pas envie. Enfin, ça faisait. Ah ouais. 3-4 ans que j'avais pas envie. Donc finalement, c'est pour ça que je m'en foutais un petit peu. Quoi. En fait, vu que je m'attache pas beaucoup à ma famille, bah, j'ai pas beaucoup de ressentiments finalement. Ah ouais. C'est con à dire ça, mais. Il y a des belles villas apparemment. Ouais. Hein. En fait j'ai bien passé par là de temps en temps. Putain oui. En vélo et en voiture j'ai bien passé par là. Pas tellement loin de Bourg. Non, en plus c'est pas loin. Ah ouais. Je sais pas s'il y a des bus par là. Oh si, il y aura des bus par ici je pense. Ouais parce qu'ils viennent assez loin. Ouais c'est des écoles là-bas aussi. Ah ouais, ben là c'est ça, ouais. Donc si il y aura des bus. Ouais, hein. C'est ça, ouais. Ça, c'est... Et ils ont changé par ici en fait, j'ai pas dit. Hein? Ils m'ont changé le pare-brise. Ah d'accord. Parce qu'il était foutu l'autre. Donc, mais ça sert à quoi ça? Caméra. La dashcam. Et si t'as un accident? Ah là, tout est filmé. D'accord. Et il y a une grosse carte noire dedans pour filmer pendant plusieurs heures. Et après, comme je te disais tout à l'heure, je fais le gros montage chez moi sur le PC. Et je la mets sur YouTube. Là j'ai mis une vidéo sur YouTube il y a quelques jours. De 25 minutes je crois d'ailleurs, c'était l'heure tour à Villa Verde. De faire un essai et franchement la caméra elle va bien. J'ai voulu faire un essai puis franchement pour 80 balles elle fait très bien le taf. Et tu vois il faut regarder tout le temps. Ah, hein. Bah. Ah ouais, même sur la bah, personne, t'as comme pas de ton ça, famille comme ça, hein. Qu'une voiture qu'elle arrive. Ah ouais. Bah quand t'as ton famille depuis longtemps, tu sais. Ouais. Ouais. Quand tu as ton permis depuis à peine quelques années, ah bah, ouais, tu t'en rends compte. Ouais. C'est pas des réflexes automatiques. Où t'es tu la gare, commander la voiture? Non, à l'enfoir. Toujours à l'enfi. Ah ouais. Toujours là-bas. Sur là-bas. Ça, c'est bien, ça, parce qu'avec les caméras. Bah, c'est pour ça que j'ai pas trop de la voiture. Ouais. Je me bats avec ça pour aller au parking. Ah je ouais. n'ai marre d'être à pied à chaque fois. Ça me saoule. Vous êtes rempli tous les jours alors, mettant commandé à la brasse. Ah ouais, mais c'est énorme. Ah ouais. Mais même moi, je pensais pas autant. Hein. Après, faut pas avouer que mon patron, là, il va faire le chiffre. Ah ouais. À cause de la pandémie. Parce qu'il a perdu beaucoup. Hein. Ah ça, ouais. Faut pas se fleurer. Hein. Ah ouais. On fait pas autant sinon. Hein. Parce qu'autrement, vous êtes pas ouvert 7 jours sur 7. Ah si, ah si, non, aussi. Mais c'est pas exceptionnel. Ah non. Non. Ah non. C'est tout le temps qu'on est comme ça, depuis 2 ans. Enfin, depuis 3 ans, vous êtes sur. Ah ouais. Mais c'est vrai que là. On veut ça c'est bien ça. Oui, j'y vais souvent moi. Ah c'est le top hein. J'y vais souvent. Parce que tu sais quand les cyclistes ils débarquaient ici, c'était juste hein. Ouais. Tandis que là c'est tranquille. Hein. Moi quand je fais le cours, je passe par ici aussi. Ah oui, c'est vraiment rapide, bien. Hein. Quand je suis trop rapide, ouais, je passe par là, c'est plus rapide, c'est plus ah ouais. C'est puis maintenant vu que le bouvant est fermé, bah du coup j'y vais plus. Parce qu'il faut payer, j'ai pas envie de payer. Ah ouais, c'est bien ça. Hein. Ah
après ça que j'ai marché ici. Hein. Oh là. Ah ouais. Oh là là, pour le confinement, je l'ai fait à Nantes dans la capitale des fois. Hein. Ah, je lui fais le tour au moins 40 fois. Ah ouais. Au moins. Si ce n'est pas plus. Et pourtant, au bout d'un moment, j'en ai marre. Hein. Fin avril, ah ouais, j'ai lâché, j'en avais marre. Je savais plus où aller en fait. À faire toujours la même chose, ça faisait beaucoup. Et heureusement, après j'ai repris le boulot, donc ça allait mieux. Ah ouais. Et toi, je suis plaisir à la rouler celle-là. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Elle est plaisante. Ah ouais. Ils ont des belles boîtes, comment dire. On a des belles routes par ici. Hein. Bah, elles sont entretenues surtout. Ah ouais. C'est vrai qu'on a des belles. Je passe souvent aussi par ici en vélo. Avec le petit, j'aime bien sortir. Ah ouais, d'accord, mais ça c'est bien ça. Parce que je te dis, avant il y avait des, ouais, des vélos ici, comme hein. Ça. J'ai aussi hein. Avant moi. Ah ouais. Tandis que maintenant. C'est sécurisé au moins maintenant. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Hein. Et normalement, juillet, là, dès que le couvre-feu sera enfin levé. Ah, mais c'est vrai, ça. J'ai hâte. J'ai pas enfin faire du vélo la nuit. Et partir. Parce qu'autrement, tout le monde s'en va à 11h, alors. Ah ouais. Ah ouais. On n'a pas le choix. Ah ouais. Ah, mais bah, après, c'est la méthode de la marche, quand même. Hein. Ah ouais. C'est pas comme avant, à 21h, et puis qu'on y allait comme du Paris. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Là, c'est plus posé. On a plus de temps. Ouais, parce qu'à 23h, ah, moi, j'en pouvais plus. Hein. Ah ouais. J'en pouvais plus. Ah ouais. C'était de la folie, sérieux. De la folie. Je t'ai fait passer par des coins que j'aime bien. Ah, ouais. Bon, tu dois connaître sans doute toi. Moi j'ai pas l'habitude de venir ici, comme on dit souvent ici. Ah ouais, j'ai pas souvent ici. Ah ouais. En vélo ou à pied, ouais. Mais en vélo comme ça, c'est bien protégé. Ah hein. Ouais, non, mais ah, c'est le top. Hein. C'est vrai, c'est le rire ici. Ah ouais. Et ici en vélo, quand je passe très tard à la nuit, vers 2-3 heures du matin, il y a souvent des lièvres qui passent. Ah ouais. Des lièvres, des lapins aussi, une fois j'ai croisé. J'ai même vu un porc sauvage. Ah ouais. Un sanglier plutôt, pardon. Un sanglier. Ah ouais. J'étais étonné. J'étais 3 heures du matin ce jour-là d'ailleurs. Ça m'a tellement marqué que je m'en souviens. C'est marrant parce qu'il circule bien la nuit. Hein. Bien sûr. Ah bah, il n'y a pas de voiture. Ah ouais. Donc ça va là en même temps. Et là, normalement, en juillet, je reprends l'avion. Ah ouais? Je vais refaire un baptême. Mon deuxième baptême, parce que j'avais dit au club que j'étais allé à Bayeux que je reviendrais en été. Malheureusement, l'été, ça s'est pas fait parce que j'avais trop de boulot. Ah ouais? Là, cette année, j'ai un peu. Tiens, toi, les cyclistes, c'est dangereux quand même. Hein? Non, parce que tant que tu fais de l'action, ouais. Fais attention, c'est tout. La route, c'est tout le monde. Putain, mais c'est. Je suis pas venu souvent ici. Hein. Ah, moi je suis souvent ici. Surtout en vélo. Ça fait un grand tour. Ah, ouais. Là ça fait une moyenne de 30 ou 40 km. Après tu peux passer par Césaria. Putain. Ou la France. Bah, c'est comme ça que j'étais moi en fait. Hein, pour l'instant. Ah, ouais. Je faisais comme ça. Parce qu'il nous est chié, donc c'est bien. Je suis marrant. Et toi, la boîte, elle fait souple. Oui, mais dans la, comment on dit, il fait vraiment bon dans la voiture. Hein. Bah, il fait 16, hein. Ah, c'est le top. Hein. Donc, moi, c'est la température idéale. Ah, ouais. Pour les voitures, c'est la température idéale. Ah, c'est, ça veut dire quoi? Hein? Bah, c'est la vitre arrière. Ah, ouais. Là, le buis. Ah, ouais, d'accord. Ah, bah, j'en reviens pas de. C'est vraiment. Bah, j'ai eu la chance. Propre, hein. J'ai eu la chance, ouais. Franchement. Par qui tu l'as eu alors? Garage. Un revendeur pro. Mais où ça? Ah, en Bayeux. En Bayeux? Ouais. En Bayeux. Je l'ai trouvé sur le bon coin. Ah d'accord. Du coup, je vous dis, bah, j'avais celle-là à 2003, soit une autre un peu moins récente. Elle est garantie 3 mois alors? Yes, ouais. D'accord.
Là, demain, lundi, mardi, j'ai rendez-vous pour la carte grise, à feu vert. Et en même temps, je vais faire le devis pour l'audio. Parce que l'audio, c'est la merde ici. C'est horrible. Enfin, moi, il me plaît pas en tout cas. Et remettre des enceintes à l'arrière aussi. Ça, ça va tout haut, tout nickel, comme neuf. Et au moins là, je pourrais faire des kilomètres en FM Z3. Ah ouais. Et je ne supporte pas la radio alors. C'est tellement en boucle à la radio que j'ai plus la chanson. Mais bon, pour le moment, il y a que ça, donc c'est bon. C'est même si j'ai pas de radio. Et vu que j'aime pas le silence, parce que. Comme j'aime pas les Clio, tu sais, ouais, les Clio, les machins. Non plus, j'aime pas. Et voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien les belles berlines. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime pas les systèmes. Mais toi, la Honda, elle était comme des. Bah, je te parle de forme, mais tu vois, elle était quand même belle. Hein. Bah, elle était bien pour son époque, elle était bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, elle avait quand même 25 ans pour la bagnole. Ah, ouais. Ma vieille, hein, à ce niveau-là. Bah, il n'y avait pas de machin, là. Il n'y avait rien. Hein. Ah, c'est ouais. Nul, le machin. Je devais le faire, d'ailleurs. Mais j'ai pas eu le temps. Je devais changer les jantes, je devais changer la couleur de la peinture, parce que je ne supportais pas la couleur. Ouais, ouais. Là, toi, c'est gris métal. Ah, ouais. Donc on s'en fout. Mais les roues, elles, j'ai changé les enjoliveurs. C'est tout en plastique, alors je mets des vraies roues en alliage à la place. Bon, il a rapporté de 100 balles, mais c'est pas grave. Ah, ouais. Pour moi, c'est joli, quoi. Tu sais combien de fois ils ont rediffusé cette musique là en l'espace de 3 heures? Ah ouais? 5 fois. Oh mon dieu! Ils ont rediffusé 5 fois en 3 heures, ça là. Voilà pourquoi j'écoute pas la radio. Mais qu'est-ce que tu mets comme. Bah ma musique YouTube. J'ai mais où c'est que tu le mets? Bah je peux pas pour l'instant. C'est pour ça que j'écoute la radio pour l'instant. Ah d'accord! Mais ils la changent lundi la radio là. J'attends de faire le devis mardi, voir combien ça va coûter. Même si de toute façon normalement je le fais. J'en laisse la bagnole et puis le fond. Ah ouais, ouais. J'ai repris les mêmes enceintes focales que j'ai achetées dans le coffre là, pour l'arrière. Ah, je sais que je n'irai pour un joli billet. Hein. Parce que bon, il y a quand même pour encore 250 balles pour les enceintes. Et normalement 80 balles pour le fil et encore 80 pour la main-d'œuvre. Mais bon, j'aurais du bon son. Ah ouais, ouais, parce que toi t'y connais. Hein. Bah voilà, je veux, ouais, je veux ouais. Le bon son, je veux pas ah, du ouais. Son de merde qu'il y a dedans. Ouais, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est de la merde le son. Ah, et moi ouais. J'écoute pas la radio, alors. Ah ouais. Moi j'écoute que YouTube en version HD, alors. Ah ouais. Moi la radio c'est hors de question. Je mets ça parce que j'aime pas le silence. Mais sinon, ouais, ouais quand dès que j'ai le son, là, je. Ah, ouais, je vais aller sous bouffeur comme avant, comme dans une voiture. À part que là la sonorisation est meilleure. Donc du coup c'est mieux porté. J'ai hâte. Normalement j'aurais dû le faire la semaine dernière, mais le technicien n'était pas là, donc du coup j'ai pas pu le faire avant. Alors, j'ai repris mardi matin, tranquille à 10h. Mais c'est vrai que ça change. Hein. Ah ouais, c'est le top. Hein. Mais j'ai mis du temps même à mettre celle-là, parce qu'elle n'a pas la même façon de conduire. Mais j'avais surtout peur par l'embrayage, parce que l'embrayage j'avais du mal à passer la vitesse. Après j'ai été trop souple. Du coup je calais facilement. Ah, la priorité ça avait toujours du mal à passer. Toujours. Alors que celle-là ça passe tranquille. Ah, ouais, ouais. Ah bah tiens, des 4 ans ça va être ouvert bientôt. Là. Bah je l'ai vu se construire n'empêche. Ah, ouais. Je passais tous les jours. Ah ouais. Ils avancent bien. Hein. Bah ouais, en l'espace de 2 mois, putain. Ah ouais, ouais. Ça a été radical. Mais tu vois, il faut que ça soit prêt au mois d'octobre. Hein. Ça ouvre au mois d'octobre. Pas trop moi. Ah oui. Ah ben oui, il faut qu'ils se magnent, hein. Bah oui, après ils sont cahier des charges aussi. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. J'ai envie de pisser là. Hein. Je vois ça, t'es pressé. Hein? Je vois que t'es pressé. Ouais. Non mais j'ai envie de pisser, alors c'est pour ça que. Mais pas, je te ramène. Ouais. Je veux juste que tu fasses voir ce qu'elles ont sur les grandes. Mais tu, à mon âge, tu sais quand t'as envie de pisser, je sais. C'est presque vite fait, hein. Bah ouais. Après tu vois beaucoup aussi donc. Oui ben ça c'est vrai aussi. Hein. Moi je vois beaucoup le soir par contre. Ah ouais. Oh putain, hier soir je me suis. Là je me suis. Là, j'ai rempli ma bouteille d'eau de 2 litres, je suis tout bout. 2 litres. En 2 heures c'était fini. Putain, je reviens pas. Là au boulot, j'ai pas le temps de boire.
C'est ça le problème. Au boulot, j'ai pas le temps de boire. Parce qu'autrement, je vais pisser dans la voiture, tu ne veux pas tellement apprécier. Hein. Non, pas trop. Non, 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 non. Ah, je faisais ça une fois, j'avais tellement envie de pisser que... Eh oui, oui, mais je te dis quand... Ah, ça fait mal au ventre. Eh oui, et c'est mauvais en plus. Hein. Je sais que c'est ce que ça fait. J'ai vécu la même chose il y a quelques temps. Tiens, tu t'arrêtes ici, non? Ah ouais. Ouais, parce qu'autrement, j'aimerais envie de pisser dans la voiture. Voilà, un pick-up, merci beaucoup. Vas-y. Oh, c'est le bordel, là. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ah ouais. Ah mais c'est bien comme tapis, hein. Hop. Voilà. Tranquille. Moi je vois quand je suis comme ça, je suis une dizaine de bornes. Ah ouais. Ah ouais, moi je roule. Et vu que je peux faire 500 bornes avec la voiture. Ouais voilà, c'est ça, c'est le top. Hein. Du coup, je vois pas les kilomètres passer. Moi. Ah ouais. Bah, c'est ça aussi quand t'as une conduire aussi. Hein. Ah ouais. Là non, j'ai roulé encore un petit peu. Moi j'en reviens pas quand il fait beau, comme on dit. Il fait bon dans la voiture, comme ça, c'est le top. Hein. Et toi dans la tête, t'as pareil, non t'as ouais, 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 ouais. Non mais elle n'est pas d'aujourd'hui hein, quand même la voiture. Hein. Bah si, elle est plus récente que la mienne. Ah ouais. Bah elle est de 2019 hein, la voiture. Ou 2009. 2009. Ah ouais. Ouais, donc quelques mois de... Enfin, ouais. Deux ans de moins, deux ans plus que... Deux ans de moins que la mienne. D'accord. 2009, la tienne? Ben non, mais elle a trois mois. Ben, elle est pas vieille. Ben oui, ben bien sûr. Oh, ben c'est le top, hein. T'as vraiment une belle voiture, hein. C'est vrai. Ah ouais, je confirme. Ah ouais. Impeccable. Et ben voilà mon cher. Impeccable, bien, merci beaucoup. Ah, rentre bien, impeccable, merci et beaucoup. On se fait notre déprise demain. Ouais, et, ouais. On mène le PC à l'informaticien. Ah ouais. Avec ta micro. Ouais, ouais. Parce que là-bas c'est micro. Ils sauront pourquoi. Ah ouais. Bon, allez, rentre bien, merci. Ouais, hein. À plus. Wow. Wow. Oh, ça c'est... Putain. Wow. Oh, excellent. Thank you.
Magnifique comme voiture, hein. C'est pas? Quelle année celle-là? Quelle année? 35. Oh putain. Superbe. Bonne journée. C'est de la folie. Je suis comme un gamin. Ah ouais, ça c'est fou. C'est trop beau comme bagnole. C'est une Peugeot ça là. Eh, c'est une Peugeot putain. Waouh. Ah, c'est magnifique. Presque 100 ans la bagnole. Waouh. Ah, moi je suis comme un gosse. Moi il marche pas ce machin. Oh bah merde. La classe quand même mon truc. On passe et... sur la classe. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, c'est la classe quand même. Ouais. C'est toi qui l'as mis? Non, c'était le truc. Ah ouais. Ah mais elle est full option cette bagnole là en fait. Ah bon. Elle est full option. C'est la version haut de gamme de la Renault Laguna de l'époque. La version dynamique.
descendre par le ménage. Ouais. J'aime bien descendre par là. Ah, c'est plus ça en quoi ça me gonfle. Franchement. Avant je n'en avais pas. Hein. Ah. Avant le confinement je n'avais pas de ces poussées d'angoisse. Hein. Ah. Ah non, je n'en ai jamais. C'est depuis ce putain de confinement que bah, j'ai des poussées d'angoisse. Quoi. Pour le calmer, vas-y. Hein. Putain, non. Hein. C'est pas évident. Hein. Ouais, après les angoisses, c'est ça qui est chiant. Ouais, j'ai eu des crises de panique à Coco en février, alors. Putain, non. Ça s'est calmé, mais. Les poussées d'angoisse, ouais, j'en ai pas entendu. Pas encore. C'est pénible. Oh, c'est pas le même en vrai. Ouais. Et vous, mettre un rock. Voilà, tout le monde veut mettre un rock. Pas mal tout le monde. Bon, Rome, c'est un peu loin, mais bon. Je suis pas sûr qu'avec ce que j'ai comme essence, on peut s'y arriver, par contre. On peut mettre le plein après, c'est pas grave. On peut mettre le plein après, c'est pas grave. Droite ou droite ou gauche? Ah, c'est quoi la différence? C'est là-haut, comment on va aller? C'est moche là-bas? Ah, c'est moche à l'oubli? Bah, c'est moche à l'oubli? On va aller. Pour pouvoir connaître. Mais il y a un gros film, je crois.
prochain, je serai la semaine prochaine. Aller au bord de l'eau, aller. Ah, mais ça, j'y vais en vélo, moi, ça, après. Rien ne m'empêche d'aller faire un peu de vélo après. Hein. Ouais. Franchement. Ouais. Et faire du vélo la nuit, ça sera impossible. Oh putain. Oh. Moi qui aime tellement voir la nuit, les villes, etc., en vélo, ah, oui, tranquille, sans ouais. voiture. Ouais. Juste avec ma lumière. Tu pars le soir, tu te mets au bord d'une rivière. Ça y a rien de tel. Petit barbecue. Moi, toi, j'ai bien vu sur Tosia, ce qui est plus bien à Tosia. T'as des endroits, moi, j'aime bien pêcher. Bah, moi, j'aime pas pêcher. Ouais, pêcheur, hein. Pêcher, j'aime pas tu te mets au bord de l'eau, tu prends ton pote, tu prends, tu le relâches. Ah ouais. Moi, je partais avec mon père. On partait à la pêche tous les deux, les gaules sur le toit, on a, il avait 400 poids à l'époque. Hein? Des fois, on arrivait même pas à sortir les gaules. On se cassait la croûte au bord de l'eau. C'est ça la vraie vie, toi. Mais voilà. C'est pas se prendre la tête pour rien. Ah ouais. On partait à 3h30 du matin. Hein. Ah ouais. Allez, on va à la pêche de bonne heure. C'est le matin qui est les poissons, ils pêchent. Ils prennent. Quand tu penses. Mais tu vois, on a vu la différence quand même hein, par rapport au restaurant. Hein. Avant, il y avait, pendant le confinement, il y avait, les gens ils n'arrivaient pas avant 7h30, voire 8h. Là, ils n'arrivent pas avant 8h30, 9h, voire 10h moins quart. Hein. Oui, non, c'est radical. Parce que... hein. Oui, mais parce que l'heure est à 6h du matin. Voilà. Voilà. Mais toi, je préfère des services comme ça que de se comme des cons. Non, mais il y a plein de gens. Il y en a qui se sont enrichis là, puis qui sont ah, oui. en Suisse. C'est tous les livreurs à machin. Bien sûr, ils ont raison. C'est que ça fait du, ils ça ont fait raison. Du mal. Hein. Bah, ils ont raison, ça fait du mal au restaurant. Bah, forcément, ça dépend comment tu le vois aussi. Ça dépend comment tu vois. Parce que, hey, Jeff, c'est ce qu'il va faire lui. Hein. Il va faire de l'emporter aussi. Hein. Ah, moi, je trouve ça très bien. Ça crée des emplois, c'est tout. Et tous les restaurants qui n'ont pas pu ouvrir, eh ben, ils ont pu ouvrir grâce à ça. Justement. Ouais, ton dessin en premier, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte. Bien sûr, mais ça, c'est malheureusement. C'est le sable, en fait, l'État. Il va y en avoir encore. Bien sûr, mais il va y en avoir encore. C'est pas fini. Regarde les boîtes de nuit. Bah, les boîtes de nuit. Ils pensent. Ils ont dit l'autre jour, le 21 juillet. Non, ils disent le 21 maintenant. Tu penses. Ils disent le 21 juin pour l'instant maintenant. Selon Macron. Ah, c'est vrai. Ah, mais bien sûr qu'il y a des boîtes de nuit qui ont fermé. Ça, c'est sûr. Il y a des fleurs. Bon, elles vont ouvrir après, bien sûr. Mais ça. Ah oui, ça va changer mal. Hein. Très mal d'ailleurs. Non, parce que il y en a beaucoup. Ils vivent sur le truc, les prêts de oui, l'État. Bien sûr. Mais c'est prêt de l'État, c'est bien. Oui, ils vont les rembourser après. Mais après, il faut qu'ils remboursent. Oui, il faut les rembourser d'ailleurs. Donc, ils ont intérêt à bosser. Bah, quand même, pourquoi mon chef, il fait autant de découvertes. Si c'est pour bosser, pour rien gagner pendant bah, 5-6 ans, ça vaut pas le coup. Bah, là, on fait du. Moi, j'ai mon pote, du 20-30 minutes par semaine. Il a mis tous ces trucs en arrêt, puis il est parti au Portugal, il est parti en vacances. Parce qu'il est revenu. Le roi, tu dis tiens, tu ouvres, tu me dis oh oui, peut-être fin juin, peut-être. Ah oh, ouais, il a même pas rouvert ni rien. Ah, ouais. Ah, mais ça a fait très mal ça. Mais, ah, ouais. Non, ça a foutu un sacré bordel. Moral en fait, surtout au moral. Moi, tu dis qui s'en quoi ce que tu veux là. Moi, ça m'a fait plein de trucs que je n'avais pas.